Salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne du Bar des Fada, pardon, pour ce match, ce classico entre l'Olympique de Marseille et le Bois de Boulogne. Voilà, salut à tout le chat. Oh là là, vous êtes chaud, vous êtes chaud, vous êtes nombreux. Allez-y les amis, installez-vous confortablement. Voilà, donnez-moi deux petites secondes pour être sûr que tout le monde est là avec nous, qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, sur Facebook, on est là, je vous vois. On est bon, YouTube, on est bon également. Et on va aller checker la team Twitch. Et la team Twitch, on est bon aussi les gars. Voilà, on est là pour ce match. On va mettre l'ambiance du stade Vélodrome. Voilà, comme vous le voyez, je peux pas mettre le stade du Bois de Boulogne. Voilà, moi ça c'est pas mon truc, c'est impossible. Donc ça sera au du Vélodrome, le match commenté en direct de la chaîne du Bar des Fada. Voilà les amis, je vous ai mis ma compo, ma composition d'équipe probable. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et on va commencer déjà par saluer le chat. Salut à notre ami Kader, notre Kader national. Salut Kader, j'espère que tu vas bien mon frérot. Kader qui nous donne les compositions probables. On va y revenir dessus dans un instant. Merci Kader. Donc Kader qui nous dit Kondogbia c'est forfait pour hier par rapport à la blessure. On en avait parlé hier justement. Salut Rick Popov. Salut Ted. Ted aussi qui nous a rejoint sur le YouTube. Voilà les amis, installez-vous confortablement. On va vivre ensemble ce match, ce classico. Voilà, ce soir vous avez vu, pas de costume. Le maillot de l'OM, comme je l'ai mis en titre ce soir, on veut des guerriers, pas de chichi. On veut des hommes qui mouillent le maillot. Et donc voilà, ce soir, maillot de l'OM. J'espère que vous aussi, vous avez le vôtre sur la peau. Et on va aller, on va attaquer ce match tous ensemble les frérots. Alors salut Rick Popov, salut Ted, salut Toto, Toto Selou aussi qui nous a rejoint sur le chat. Salut dans le cul Galtuch qui nous a rejoint sur Twitch aussi. Voilà, Kader qui dit envoyez les pouces les amis, envoyez les pouces, très important, mettez des pouces. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, bien évidemment. Alors on va revenir un peu donc, sur la composition, donc on va changer ça. Moi j'avais mis Kondogbia, j'hésitais entre Kondogbia ou Rongier. Et du coup... voilà, mais apparemment, d'après l'équipe, la composition probable de l'équipe, l'OM va jouer en 3-5-2. Donc on va attendre les compositions officielles. Voilà, je vais les modifier tout à l'heure. Voilà les amis, dites-moi un peu alors, votre ressenti sur ce match. Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous y croyez en nos joueurs? Allez-y, dites-le moi en commentaire. Je vous relis, vous inquiétez pas. Voilà, on va passer à l'avant-match. Tac, assalamu alaikum Léonard. J'espère que tu vas bien mon frérot. Les amis, dites-moi si le son c'est bon. Voilà, si les supporters c'est pas trop fort, pardon. Voilà, si tout est bon, dites-le moi sur les chats. Alors attends, il faut que je garde un œil aussi. Voilà, salut la team Facebook. N'hésitez pas à donner de la force à la chaîne du Bar des Fada les frérots. Comme d'habitude, on est ensemble. Voilà, merci pour les pouces. Alors, Roberto Donadoni a dit oui à l'OM, cependant le club ne lui a rien demandé. C'est qui lui encore? Pour l'entraîneur, je suppose. Ah les amis, deux petites secondes. Désolé, hein, c'est toujours le Coca Zéro. Hein, si Coca veut faire du partenariat avec le Bar de Fada, on est ensemble. Hein. Salut Jean Mendez qui nous a rejoint. Jean Mendez qui nous a rejoint sur YouTube, pardon. Voilà, super les amis. Alors dites-le moi un peu. Mettez-moi juste la compo. Est-ce que vous pensez que ça va être un 4-3-3, un 4-4-2 ou un 3-5-2 dans les commentaires? Allez-y, faites-moi péter le chat. Je veux voir des commentaires défiler. C'est le classico. Il faut qu'on fasse péter YouTube ce soir. Donc allez-y, dites-moi un peu ce que vous en pensez les amis, sur les chats, on est ensemble. Alors moi je vais vous donner mon avis, moi j'espère que ce soir, comme je l'ai dit encore et encore, voilà, il faut que ce soit des guerriers ce soir, des guerriers qui vont se battre, mouiller le maillot, et le résultat en vérité, on s'en fout un peu.
Tu vois ce que je veux dire ou pas? Dans le sens où voilà, tu perds 1-0 ou tu fais 1-1, mais que tu as tout donné et que voilà, tu as eu l'arbitre contre toi ou un fait de jeu, ça va, on va pas en vouloir à nos joueurs. Selon voilà, on est dans une crise quand même, faut pas oublier, il n'y a pas d'entraîneur. Alors il y a Pancho Abandonado, bien sûr, on espère tous voilà, qu'il va réussir à l'OM, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Mais voilà, il ne faut pas être non plus trop exigeant en ces moments durs à l'OM. Et je pense que les seuls qui peuvent remettre de l'ordre à l'Olympique de Marseille, d'apaiser les tensions et de relancer la machine, c'est les joueurs. Voilà, c'est que les joueurs et c'est eux qui ont le pouvoir de faire ça. Et en montrant de meilleures choses sur le terrain, voilà, tout le monde sera content. Si ce soir on gagne, bien sûr que là on apaiserait toutes les tensions et on enchaînera une semaine, on va dire, plus tranquille. Voilà, pour préparer le match à Monaco qui va être important. Et également on va enchaîner après le match face à Brighton. Donc voilà, il y a des échéances importantes qui arrivent. Là on a su aussi que Longoria s'était vraiment mis en recherche d'un entraîneur. Donc Pancho Abandonado apparemment fera l'intérim de l'après Marcelino. Donc voilà. Donc salut les amis, continuez à mettre les messages sur le chat. Salut Ameyang, pardon, j'ai pas vu les messages. Ça a défilé. Attends, parce que j'ai pas mis le lecteur de messages. Allez l'OM. Aminarit, bien sûr on a Aminarit. Jean Mendes qui nous dit allez l'OM pour qu'on puisse monter, pour qu'on puisse montrer à ses pères égaux qui nous sommes. Je suis d'accord avec toi Jean. Voilà, Pablo Longoria de retour sur le terrain. Bien évidemment il avait dit voilà dimanche qu'il allait revenir sur le terrain, qui sera présent au parc, pardon. La composition probable, le Nodi Kader. Donc Lopez, Klos, Mbemba, Balerdi, Gigot, Lodi, Unai, Rongier, Veretout, Vitinha, Ouendjai et Aubameyang. Donc voilà, donc ça serait un 3-4-3 apparemment, hein. Ou un 3-5-2. 3-5-2. Ouais, c'est ça, 3-5-2. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Vous avez Mbappé, non à rythme, mon gars. Eh oui, Mang, tu as raison. Et merci pour le like sur le stream. Merci pour la force, les frérots. On est ensemble. Voilà, donc Kader qui donne ça. La victoire à tout prix. Amin Harit triplé. Ah frérot, je signe de suite. Hein. Eh oui, je signe de suite. Salut Giuliano. Giuliano qui nous a rejoint. Voilà les amis, on est là, on est chaud pour ce match. Voilà, c'est ça que je veux voir. Continuez à vous abonner, à mettre des pouces. Très important pour donner de la force à la chaîne du Bar des Fada. Voilà, la chaîne du Bar des Fada, club des supporters de l'OM sur YouTube les amis. Donc voilà, on a Unai. On a Harit, eh oui le fratis. Ici Léam, salut à toi fraté. Comment tu vas? Allez l'OM, bien évidemment. Salut Patricia, j'espère que tu vas bien également. Eh oui les amis, ce soir on est chaud. Salut Nivek, Nivek qui nous a rejoint aussi sur le chat. Voilà, qui dit salut Momo, salut Toto et à tous les fadas de l'OM. Ce soir on veut voir des guerriers sur le terrain. Voilà, Nivek il est d'accord avec moi. On veut voir des guerriers sur le terrain, ne rien lâcher. Et moi, je suis sûr que si vraiment ils se donnent à fond, genre voilà, on calcule pas, on y va, on fait le pressing, on joue notre jeu, et je vous jure, on peut leur faire mal. Je vous promets, on peut leur faire mal. Hey man, gaming, tu trolls là. Allez les amis, un petit pronostic pour cette rencontre, allez-y. Faites-moi péter tout ça. Sur tous les chats, allez-y, dites-moi votre pronostic pour ce match. Salut Christophe, Christophe Totti qui nous a rejoint sur YouTube. Salut Béatrice Cohen également qui nous a rejoint sur YouTube. Je vous salue les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, on va vivre le match ensemble. Eh oui, vive Marseille. Voilà, un proche d'Abandonado dit il vit son rêve, il kiffe. C'est la meilleure vitrine qu'il peut avoir. Avant d'aimer l'OM, il adore son métier. Voilà. Nivek qui dit 2-1 pour l'OM, on y croit, doublé d'Aubameyang. Allez Nivek, je signe, hein. Dis-moi où c'est, j'ai le stylo là. Je signe de suite. Voilà. Moi je verrais bien au pareil, hein.
Moi, la vérité, je vois un 1-1, 2-1 pour l'OM. Voilà. Vraiment. Ça va pas exagérer 3-0 ou un truc comme ça, tu vois. Voilà. Mais 1-1, 2-1, ça peut être pas mal. Pour moi, ça serait un résultat. 1-1, ça serait un résultat acceptable. Et 2-1, bien sûr, ça serait un résultat plus que satisfaisant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les frérots? Dites-le moi sur les chats. N'hésitez pas à mettre des commentaires, les frérots. Voilà. Voilà. Moi, en vrai, je vois 1-0 pour Marseille. Ouais, on peut gagner d'une courte victoire, hein. Si on se met bien en place, qu'on défend bien, on joue les coups à fond sur une contre-attaque, voilà. Tu vois, c'est possible. En plus, leur gardien, c'est pas l'assurance tout risque, Donnarumma. Donc, il y aura certainement quelque chose à faire avec, avec cette équipe. Maintenant, il faudra voir quelle sera l'animation offensive que va faire l'OM. Et voilà, tout simplement. Voilà. Hey. Et voilà. Qui sont panés par Marseillais. Hey. Qui sont panés par Marseillais. Hey. Hey les gars, on pousse là. On met des pouces, on donne de la force. On va vivre le match ensemble les gars, c'est le classico. C'est le classico les gars, c'est le classico. Voilà. Voilà, Toto qui dit 1-0 pour l'OM. Alors l'arbitre, on va voir ce qu'est l'arbitre. Et voilà les amis. Oh 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 oh. Allez l'Olympique, allez l'Olympique, allez l'Olympique de Marseille. Allez les gars. Eh oui les gars, on est là. Je vous fais vivre le match comme si vous étiez au stade. Vous allez voir. Alors l'arbitre de la rencontre c'est Delage. Non, Delajeune. C'est qui ça? Je connais pas frérot. On va voir, c'est un français, on va voir hein. Donc voilà, il n'y aura pas de Sarr, pas de Konogda, pas de Gay, pas de Paul Ruiz, on le savait. Et eux ils ont pas Asensio, Kipembe, Mendes et Rico. Ok, super. Oh 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 oh. Eh ouais, déjà c'est pas Turpin. Eh ouais les amis, on est là. Allez, on continue. Continuez à mettre des messages sur tous les chats les amis hein. Voilà. Eh merci Christophe qui dit big up pour Momo sur Facebook. Big up à toi mon Christophe Totti, toujours fidèle à la chaîne du Bar des Fadas, toujours présent à chaque match. Merci à toi. Merci à toi pour toute la force que tu le donnes. Allez les gars, on continue. Alors, on va essayer de voir si les compos elles sont un peu sorties ou pas encore. Alors attends, on va afficher le classement. Non, vous voulez pas voir un peu le classement pour voir un peu où on en est à l'heure où on se parle. Et voilà, Christophe Totti qui met un pouce sur le live. Merci Christophe pour ton pouce. Ça fait plaisir, ça coûte rien. Merci. Alors attends, j'ai le classement là. J'ai le classement pour toi frérot. Je vais te le mettre là. Et on va en débattre, on va en discuter de ce classement. Et les conséquences qu'on pourrait avoir après ce match face au Bois de Boulogne. Alors, 2 secondes, je l'ai là. Parfait. Voilà. Hop. Et c'est ça je crois. Là pardon, voilà, je vais vous le mettre ici le classement les frérots, comme ça on va l'analyser ensemble. Donc je vais mettre que les 10 premiers hein. On s'en fout de reste. Ah oui frérot, ça va pas abuser. Voilà le classement, il est là. Donc Brest est premier avec 13 points, Nice est second avec 12 points, Monaco est 3ème avec 11 points, Strasbourg 4ème avec 10 points, Le Havre 5ème avec 9 points, à égalité avec nous, 6ème avec 9 points, et le Bois de Boulogne derrière nous, 7ème avec 8 points. Voilà, donc tous ceux de devant ont déjà joué,
Donc, en cas de victoire, l'Olympique de Marseille sera ex aequo à la 3e place avec Monaco. Et en cas de défaite, ben, on resterait à la 6e place. Et on aurait déjà 4 points de retard sur Brest. Voilà. Voilà, il y a Ted qui nous donne une info. Pablo Longoria, alors attends, on va enlever ça. Pablo Longoria est en train de sonder la piste menant à Julien Lopetegu. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce que nous dit Ted Julien Lopetegu? Est-ce que vous validez, les gars? Est-ce que vous prenez à l'OM? Oh, le Coca Zéro, c'est trop bon, frérot. Par contre, faut pas que je rote en plein live parce que ça c'est le pas bon, ça. Ouh, alors, ça, qu'on n'occupe pas dans le groupe, on l'avait vu. La marque de mon papier toilette, c'est Paris. Vous êtes trop forts, les gars. Vous êtes trop forts. Alors, les gars, continuez à mettre vos pronostics. Continuez à mettre des pouces, continuez à vous abonner, surtout, voilà, très important pour donner de la force à la chaîne du Bar des Fadas. Pablo Longoria tenterait sa chance pour Julien Lopetegu sur le banc de l'OM. Le technicien est actuellement libre de tout contrat. Voilà. Donc, quel est votre avis, les amis, là-dessus? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça nous dit sur le Facebook, sur le YouTube? Allez-y, hein, mettez vos avis, les frérots. Voilà. Julien Lopetegu. Voilà, alors est-ce que... Bon, on fera ça demain dans le débrief. On fera son palmarès, on regardera. Salut Abda, notre Abda national. On salue Yanis et Sohan, nos minots, les minots du Bar des Fadas. On les salue, on les embrasse. Et on embrasse Abda. Ils ont intérêt à se bouger. Le 1... c'est bon qu'il se bouge maintenant. Il faut marquer cette fois-ci. Les go à l'OM. Eh oui, Islam, je suis d'accord avec toi. Là, il faut des guerriers. Et on compte sur nos attaquants pour être plus tranchants. Et on compte également sur Amin Harit et Onaï pour animer le système offensif de l'Olympique de Marseille. Le match est à 20h45, les amis. Voilà. Donc le match est à 20h45, je crois qu'il est sur Canal, hein. Donc voilà, donc même si vous avez la télé, les amis, mettez le match et restez avec nous sur le YouTube, sur le Facebook, sur le Twitch. On est en direct, les amis. On vit le match ensemble, on le commente ensemble. Voilà, ceux qui sont seuls à la maison, vous regardez le match tout seul, mettez-vous avec nous en direct et on commente ça ensemble. On se régale, on a le son des supporters avec nous, on a la voix des supporters avec nous. C'est comme si on était au stade. Voilà, ça donne encore de la force. Merci les amis. Voilà, merci Smoking. Voilà, qui a mis un pouce de like. Merci à toi, le sang. Salut Nico. Ouais, c'est sur Amazon, pardon. Pourquoi je dis Canal Plus? C'est sur Amazon Prime le dimanche. Merci Nico. Voilà, donc Nico, j'espère que tu es abonné à Twitch frérot aussi pour donner de la force à la chaîne du Bar des Fadas. Voilà les amis, on va se remettre un peu d'ambiance du Vélodrome. Voilà, parce que moi là-bas, je mettrai jamais la photo de leur stade municipal. Voilà, moi c'est pas mon truc. Moi c'est qu'un seul truc, les amis, vous le savez. On le sait. Les amis, je vous avais dit que j'allais vous faire vivre ce match comme si on était au stade. Voilà, vous inquiétez pas, on est là, on est ensemble. Allez les supporters, revenez avec nous. Voilà, c'est mieux comme ça.
On veut de l'ambiance ici. On veut se régaler. On veut être au stade. C'est Marseille, bébé. Bien sûr, frérot. T'inquiète, Nico. Je vais te faire vivre le match comme si tu étais sur Amazon. Encore mieux. Voilà. Salut, Mickaël. Mickaël qui nous a rejoint sur le YouTube. Salut à toi. Salut, Guillaume. T'as le Kugaltus. Voilà, qui utilise l'émoticône barre de fada sur le Twitch. Force à toi. Merci. Eh oui, allez l'OM. Bien sûr, on va se régaler. J'ai hâte que Marseille écrase Paris. Ouais, oui, frérot, on est là, t'inquiète pas. On s'occupe de tout. On va vous régaler. On est là. Alors, les compositions d'équipe qui devraient arriver dans un instant. Salut David Konaté. C'est qui Julien Lopetegu? Je crois que c'était l'entraîneur de la sélection espagnole. Il me semble. Hein. Dites-le moi, non? C'était pas lui? Salut Astroboy qui nous a rejoint sur YouTube. Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Allez, on continue les amis, les Marseillais montent à Paris pour le PSG, on le sait frérot, on le sait. Hakimi, c'est le seul que j'aime au PSG, nous dit... Oh, mais... Écoute, tu as le droit, hein. Tu fais ce que tu veux frérot. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Attends. Allez. Aux armes, nous sommes les Marseillais, nous dit Islam. Les Marseillais écrasent Paris, bien sûr. Astro Boy, j'espère une victoire, frérot. On espère tous, hein. On espère tous la victoire ce soir. Les amis, attendez. Alors, il y a mon ami Kanté, mon ami Kanté09, fidèle de Twitch, qui nous a rejoint. Salut à toi. Et ça, je vais le faire juste pour Kanté, parce que je sais que ça va lui faire plaisir. Voilà mon ami Kanté09 de Twitch. Ne bouge pas, frérot. Tu s'occupes de rien, je s'occupe de tout. Comme on dit chez nous. Alors, attends, mon ami Kanté. Voilà. On est là. Et voilà mon ami Kanté. J'avais dit que j'allais te faire kiffer mon ami Kanté. Et c'est fait. Voilà, j'espère que tu t'es régalé. Voilà, j'ai voulu laisser le stade pour que vous voyez avec grand plaisir. Voilà, t'es toujours fidèle à la chaîne du Bar de Fada. T'es toujours là, tu nous donnes de la force. Donc je te fais kiffer. Comme à vous tous les amis, j'essaie de vous faire kiffer à tous pour qu'on profite. Salut Gaspard, Mathias Gaspard qui nous a rejoint sur le YouTube. J'espère que tu vas bien mon frérot. Aussi un fidèle de la chaîne du Bar des Fada. Voilà, Mickaël qui nous dit 2-1 pour l'OM. Voilà. Qui ne saute pas n'est pas marseillais. Allez, je te fais plaisir, Guillaume. Toi aussi, tu es un fidèle. T'inquiète pas, frérot. Je m'occupe de toi. Bouge pas. Voilà, il est où? Voilà. Allez, tiens, c'est pour toi, frérot. Hey, qui saute pas n'est pas marseillais. Hey, qui saute...
qui sont un panneau par Marseillais. Qui sont un panneau par Marseillais. Qui sont un panneau par Marseillais. Et voilà, c'est pour moi, c'est cadeau. On est là. Bien sûr. Allez, on continue. Qu'est-ce que c'est l'audit. Salut Momo, Amicalement Foot qui nous a rejoint. Eh oui les gars. Ah ça va Marie. Marie-Noël. Marie-Noël, supportrice de l'OM en cachette. Salut à toi Marie-Noël. Eh oui Marseille bébé, c'est la capitale. C'est pas la capitale. Eh oui Guillaume, elle est ancienne de la chaîne, bien sûr. Un fidèle. Bien sûr. C'est la famille tout ça, c'est la famille. On est ensemble les frérots. Alors attends, bouge pas. On va jeter un petit coup d'œil sur les compos quand même. Pour savoir où on en est. On est là, le sud. Voilà, si on gagne avec deux buts, prochain match, tu mets. Qu'est-ce que tu as dit, pardon? Tu mets une perruque. Allez, ça va. C'est quoi Christophe? Si on gagne avec deux buts, je mets une perruque blonde pour le prochain match. Allez vas-y, c'est bon. Si on gagne ce soir, allez c'est bon. Si on gagne ce soir, je mets une perruque pour le prochain match face à Monaco. C'est bon. Allez, c'est fait. C'est bon? On prend le pari les amis? Je relève le défi ou pas? Je relève le défi ou pas? Dites-le moi sur les chats. C'est noté. Si on gagne ce soir, je mets une perruque pour le prochain match. Allez, c'est bon. C'est noté. C'est noté, nous dit Christophe Totti. Tous ensemble, tous ensemble. Hey, voilà, Toto qui valide aussi. Alors, Klaus, Mbemba, Balerdi, Gigolo, Lodi, Onaï, Rongier, et Veretou, Vitinha, Aubameyang. Ok. Donc c'est ça la compo tête, c'est la compo officielle. On va aller vérifier si elle est sortie ou pas encore. Oui, alors ok, alors je vais aller faire la compo les amis de suite. Comme ça on va la modifier. Alors, bougez pas. Continuez à me mettre vos pronostics les amis sur le chat hein. N'hésitez pas, continuez. Donc c'est Lodi ici, Klaus ici, lui il faut le sortir. Et qui c'est qui est titulaire t'as dit? C'est Balerdi hein. Voilà c'est ça, c'est Balerdi dans la défense. Donc on va mettre Mbemba à droite, Gigo dans l'axe et Balerdi à gauche, Lodi piston, Klaus piston. C'est Rongier le 6 hein, normalement. Ouais c'est ça, Rongier en 6. Et Unai Veretout en 8. Voilà, moi j'aime bien. Moi j'aime bien Veretout en 8 hein, je vous mens pas hein. Voilà, Veretout je le préfère 100 fois en 8 que en 6. Voilà, donc Veretout. Et tu nous as dit qui d'autre? C'est Aubameyang Vitinha. Bah. Donc là, c'est une équipe offensive hein. C'est une équipe offensive et on aime ça. On aime ça. Voilà. Oh là 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 là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Allez, je vous fais ça deux petites secondes les frérots. Voilà. Je vais mettre quoi? On va mettre comme ça. Non. Ouais, comme ça. Ça, on va enlever ça. Voilà. Alors attends, on va arranger Aubameyang et Vitinha. Voilà. Voilà. Est-ce que là on est bon? Et on va faire monter un petit peu Veretout et Unai. Et on est bon. Voilà. Ceux-là on va les mettre là. Et ceux-là on va les mettre là. Voilà, et là on devrait être bon. Alors attends, faut voir un peu comment c'est.
L'OM est magique, bien sûr. Voilà. Hop. Et donc pour le Bois de Boulogne, c'est quoi la compo? Que je la fasse aussi. Je l'avais vu tout à l'heure. Donc c'est Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez, Emery, Ugarte, Barcola, Dembélé. Ok, donc il n'y a que Barcola à changer. Ok, c'est bon. Allez, c'est bon, on est bon les frérots, on revient au direct. Qu'est-ce que ça nous dit? Et voilà, dans le Kugeltush, merci pour utiliser les émoticônes du bar des Fada. Salut Nat, qui dit allez l'OM. Nat, j'espère que tu t'es abonné frérot. Il faut s'abonner, c'est gratuit sur Twitch pour donner de la force à la chaîne du bar des Fada. Voilà. C'est trois défenseurs. Alors attends, je vais l'update. Je vais update. Hop. Donc c'est celle-là. Pour l'instant. Et après, je vais faire celle du Bois de Boulogne. Alors. Hop. Ah, c'était pas prévu de faire ça, hein. Et voilà. Donc là, on a la compo de nos Olympiens. Et je vais aller vous mettre celle du Bois de Boulogne dans un instant. Voilà. Et là, on est bon. Enfin, on était bon, du moins. Voilà, on va la laisser comme ça. Je vais l'arranger après. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur le chat encore? Eh, merci dans le Kugeltush. Salut Fada! Ce qui dit salut Momo, l'OM n'est pas magique, c'est réel. Allez l'OM! Eh oui, frérot. Ah, merci à toi, Nat. Merci à toi d'être abonné. Tu es au top. Merci, frérot. Ça fait plaisir. Donc il faut changer. Donc là on est bon. Là on va aller là. Donc alors attends, là j'ai mis quoi? J'ai mis les carreaux, hein. Voilà, les carreaux en bleu. Tac tac tac. Alors on va aller faire l'équipe du Bois de Boulogne. Voilà. Donc on a Mbappé, Kolo Muani, Emery, Vitinha. Donc c'est Barcola qui l'a mis au milieu, hein. Voilà, donc c'est à mon avis Emery ici, Barcola ici, voilà, Gret ici, Ugarte ici, Emery et Barcola ici, et Mendez, il n'est pas là, Marquinhos, Skriniar et Hakimi, voilà. Voilà. Tac tac tac, regarde, et là il faut donc Kolo Muani, et ici il faut Dembou. Voilà, la composition du Bois de Boulogne est prête les amis. Voilà, je vais la mettre ici dans un instant. Voilà, alors rotation, bam, perspective, bam, non ça on s'en fout, la couleur c'est ça. C'était les carreaux, hein, que j'avais mis. Ouais, c'était les carreaux. Voilà, on enlève la lumière. Je parle tout seul, hein, t'inquiète frérot. Y'a rien de... Je me comprends. Voilà, c'est bon. On a fini les compos. On est prêt, je vais l'afficher ici. Et je reviens à vous les frérots. Vous inquiétez pas, hein, on est ensemble. Voilà, on est bon. Voilà. Tac. Et voilà. C'est bon. On a les compos officiels. Alors, est-ce que ça vous paraît correct? Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup cette composition. Et salut Zerli945, salut à toi mon ami, j'espère que tu vas bien. Tu mets un point d'interrogation, alors je sais pas si tu as posé une question, je ne l'ai pas vu passer sur le chat, excusez-moi. Mais si je l'ai raté, n'hésite pas. Salut Elbiz qui nous a rejoint sur le YouTube. 4-2-4 pour le PDG. Voilà, salut Toto, bisous, bon match.
Allez, les amis, on est à 40 minutes du coup d'envoi. Jean-Michel Aulas, on va tout casser chez toi. Ok, merci Kader, c'est un bon coach. Ça, on l'a vu. Après, il faut pas se mentir. Faut voir la vérité en face. Bref, allez l'OM. Nous dit ici les mains. J'ai pas compris ce que tu veux dire. Je vais juste retenir. Olympique de Marseille, droit au but. Allez l'OM. Voilà les amis. Allez. Alors, tac. Nous, on va partir sur le match. Voilà, on va commencer à s'installer. Ça se rapproche. On se rapproche du coup d'envoi. On a le temps de boire un coup. Eh oui, au bar des Fada, bien sûr. Tournée générale, c'est pour Toto. Tournée générale. Eh oui. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre sur le chat? Allez-y, installez-vous. Moi, je vais regarder encore un peu là. Qu'est-ce que c'est des bons? S'il y a des infos sur un entraîneur ou quoi? On est là. On va boire un petit coup aussi. Pardon, il faut que l'OM gagne ce soir, nous dit Mathias Gaspard. Qu'est-ce que ça nous dit? Tac, chaque fois que c'est pour ma pomme, à Toto. Eh oui, avec plaisir Toto, alerte générale, allez l'OM. Allez, vous êtes chaud, hein. Vous êtes chaud. Les gars, elle est là l'étoile. Pardon, elle est là. Elle est là l'étoile. Hein. On est là. Il est là les cuissons. Il est là. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, n'oubliez pas les amis, ceux qui n'ont pas le match, allez vous abonner sur l'Instagram du Bar des Fada, pardon. Je vous mettrai les buts. Voilà. Je vais enregistrer les buts et je vous les mettrai en story sur le Bar des Fada. Donc allez-y, ceux qui ont Instagram. Allez-y, l'Instagram c'est le Bar des Fada, vous pouvez pas le manquer. Allez-y, abonnez-vous et comme ça vous saurez quand on mettra en story les buts de ce soir. Voilà, pour ne rien rater. Et voilà Mathias qui dit je suis supporter de la Guadeloupe. Tu habites où en Guadeloupe Mathias? Eh oui, voilà, donc allez-y, on vous attend, je vous attends. Voilà, je vais faire une petite story maintenant en direct sur l'Instagram. Voilà. Alors attends, il faut que je... Voilà, là on est bon. Là. Et là si je fais ça, est-ce que ça va marcher? Non, ça va pas marcher, alors attends. On va refaire un truc. Ah oui voilà ça c'est bien. Voilà les amis, on est en direct sur YouTube, sur Twitch et sur Facebook. Tous les buts de la rencontre du Classico entre le Bois de Boulogne et l'Olympique de Marseille seront postés en story. Donc allez abonne-toi.
Voilà, la story est faite. Allez la voir sur l'Instagram du Parc des Fadas et donnez de la force. Voilà, c'est fait. Story postée. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Zéril. Et Patricia qui nous a rejoint sur YouTube. Salut à toi Patricia, bienvenue. Je suis de Corrèze, ici il y a beaucoup de supporters de l'OM. Eh oui Mickaël, l'OM est magique. Nous sommes les Marseillais et nous allons gagner, exactement. C'est aussi simple que ça. Allez, on va voir en story si vous allez être là. Alors, c'est reparti. Voilà les frérots, continuez à nous rejoindre. On va se régaler pour ce match. Merci Doulaï pour le pouce sur le Facebook. Merci à toi. Ah Ludovic, arrête un peu. Arrête Ludovic, arrête. Arrête Ludovic. On le sait. Te connais. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Et lui là. Alors lui, ce comique là, il dit 5-0. Vous pouvez lui répondre les amis sur le chat ce que vous en pensez de son pronostic. Gentiment, hein, gentiment. Bien dit ça, Daluk et Galtus, bien dit. Allez, on continue les amis, on donne de la force à la chaîne du Parc des Fadas. On va aller voir un peu ce qui se passe pour ce classico. Voilà. Les joueurs qui sont en train de s'échauffer, on va Balerdi, très concentré. Voilà, on est en direct les amis là. Là c'est le direct, il a commencé. Ça y est, on peut plus faire machine arrière. Vous devez rester avec nous tout le match maintenant, ça y est, c'est fini. Allez. Voilà, les joueurs qui s'échauffent, donc on voit bien Balerdi, Gigo et Mbemba. Avec les titulaires. Donc voilà. On sait ce que ça veut dire. Il faut un miracle. Non, pas forcément. Nous on a vu le pape. Non, moi je pense que nos joueurs vont faire quelque chose ce soir. Nos joueurs vont faire quelque chose et vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Sans déconner, non mais. Ah, il sait à qui il parle, lui, il a dit 5-0. Même pas le respect. Oh. Attends, on va te montrer, nous. Tu vas voir. Attends. Hein?
Et t'es pas content? Doublé! On t'avait dit, voilà, 5-0, il parle des cartons jaunes. Salut Giuliano, Giuliano qui nous a rejoint. Salut à toi frérot. Voilà, on est là, on va leur montrer à eux qui on est, on va leur montrer. Ah donc, l'écho ça marche là, vous entendez l'écho? Ah ben c'est super, j'arrivais pas à le faire marcher, maintenant tu me dis que ça marche. Donc du coup, si je fais goal, ça le fait, c'est bon. Allez, super. Allez, Christophe Totti, pardon, qui nous dit Momo dit Rodrigo de la Vega avec sa moustache. Ouais, il faut que j'aille chez le coiffeur là. Mais là, en fait, j'attends parce que j'ai mes parents qui arrivent aux États-Unis là mardi. Et du coup, j'ai dit j'irai au coiffeur lundi avant qu'ils arrivent. Voilà. Ah super les amis, alors on va se régaler. On va se régaler, restez avec nous. Partagez le live à vos amis, à votre famille. Voilà, tous ceux qui n'ont pas le match, ceux qui veulent vivre le match avec nous. Voilà, donnez-leur le lien de la chaîne du Bar des Fadas les frérots. T'entends le cave, est-ce que tu as le match ou est-ce que tu veux que je te le partage? Le cave. Allez, c'est super. Je vois un carton rouge pour le pot de Boulogne, nous dit Christophe Totti. Tu penses? On va voir, hein. Écoute. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre sur le chat? Allez, ça va, tu me dis tonton, si tu as besoin. Avec grand plaisir. Alors, tac, tac, tac. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre, les fratés? Allez, nickel. Ah, super, merci les amis. Au top, merci pour toute la force. Allez, plus que 3 abonnés. Et on arrive aux 3100 sur YouTube. Voilà. Donc, s'il y a des YouTubeurs qui nous regardent, vous n'êtes pas encore abonnés. Il en faut 3, les frérots. C'est complètement gratuit. Voilà. Allez. Les joueurs du Bois de Boulogne sont entrés sur la pelouse du stade. Voilà, les joueurs continuent de s'échauffer. Continuez sur le chat. Mettez vos commentaires, vos pronostics, votre ressenti. On est là, on est ensemble. Voilà. Incroyable. Allez, plus que un, les gars, plus que un pour qu'on arrive aux 3100. Oh, il y a quelqu'un qui s'est enlevé, j'ai pas vu. Encore un, merci Nargofux. Nargofux. Allez, salut Benoît Chérou qui nous a rejoint, qui dit salut le bar, salut à toi. Eh, merci les amis, vous êtes au top pour la force. Allez, plus qu'un abonné. Qui c'est qui s'est pas abonné, les frérots? Allez, si tu es sur Facebook, si tu es sur Twitch, viens sur YouTube, abonne-toi et donne-nous de la force. C'est gratuit, frérot. Allez, faites ça pour l'OM, nous dit Nargofux. Merci Nargo pour la force. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, attends, bouge pas. On va faire un truc. Tac. Donc ils sont où les... C'est bon alors. Allez, dès qu'on arrive aux 3100 abonnés, on fait une animation but. C'est bon ou pas?
Allez. On fait une animation but. Si on arrive. Et merci pour le sub. Alors qui c'est qui s'est abonné? Mohamed Bentareb. Bentreb, pardon. Merci à toi d'être abonné, frérot. Ça fait plaisir. Et bienvenue à toi. Allez les gars, plus qu'un abonné. Plus qu'un seul abonné. Et on fait une petite... Allez, abonnez-vous. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Sur le chat. Voilà, les concours qui sont sortis. Ah, le classement. Alors, vous voulez le classement? Ben, je vais vous le remettre. Le classement, il est là. On va gagner. Si on gagne, on passe en dessous de Nice. Ouais, on revient à un point de Nice et à deux points de Brest. Voilà. Voilà. C'est bon le classement. On peut l'enlever. Allez, c'est bon. Pour le classement, on est bon. Ouais, les amis, on est en direct sur la chaîne du Bar des Fadas pour cette rencontre. Alors, attends, on va voir. Tac. Voilà, ici, c'est bon. En cas de victoire, Jean Mendez, en cas de victoire. En cas de victoire, je vous ferai kiffer, t'inquiète pas. Allez les gars, on continue. Donc dites-moi les amis, est-ce que, pardon, j'ai oublié de vous, complètement oublié de vous demander, est-ce que vous validez la composition de Pancho? Voilà, dites-le moi sur le chat, hein, allez-y. Est-ce que vous validez la composition de Pancho? Voilà. Dites-le moi sur la barre de commentaires. N'hésitez pas, c'est gratuit les messages. Hein. Ouais, Brest, Strasbourg, surprise, mais ça on connaît les petites équipes en début de saison. On connaît. Alors, tac. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre sur le chat? J'espère trop, et toi? Alors, j'ai pas compris. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre, les amis? Allez, plus qu'un abonné pour arriver aux 3100. Bon, je sais qu'on va y arriver. J'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous, les frères. Allez, on continue, les amis. On donne de la force. Voilà, l'ambiance est folle. L'ambiance est folle au bar. Le bar des Fadas est présent ce soir. Restez bien avec nous pour vivre ce match de folie. Ah là 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 là, mais ils ont vraiment des tifos de merde cette équipe. Ah là 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 là, ils ont sorti leur petit drapeau là comme ça. Nul, 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 nul. On va voir leur tifo. Voilà, ceux qui veulent voir le tifo aussi, je vais le mettre. Je vais mettre le tifo, vous inquiétez pas. Alors attends, on va essayer un truc.
Allez, on continue à donner de la force, les frérots. Hein. Voilà, merci à tous de nous rejoindre, ceux qui donnent de la force. Merci, merci. Voilà, restez bien avec nous. On va se régaler pour ce match que je vais vous faire partager en direct comme si vous étiez au stade. Encore mieux, parce que eux là-bas, ils ont une ambiance pourrie au Bois de Boulogne. Nous, au moins, au bar des Fadas, on se régale. Bien sûr. Allez, continuez les amis. Voilà, nous on est là. Alors, on va faire ça comme ça. Allez, continuez les frérots. Donc dites-le moi, alors la compo, est-ce que vous validez? Vous m'avez pas répondu. Est-ce qu'on valide la compo de Pancho? Et merci à Lex Chinarito pour ton like sur Facebook. Merci à toi, le sang, on est ensemble. Voilà. Hop, ça comme ça, tranquille. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre sur le chat? Oui, tout le monde a l'air content de la compo. Écoute, moi je suis surpris, je pensais qu'il allait rester sur son 4-3-3. Mais bon, alors attends, c'est quoi? Je vais vous afficher la compo des deux équipes en même temps. Normalement, je dois l'avoir. Voilà, je savais que je l'avais. Voilà, on va afficher la compo des deux équipes les unes face à l'autre. Comme ça, on pourra avoir un meilleur. Ah, mais en fait, je peux juste faire ça. Là. Hop. Voilà. Tac. Et on va faire ça. Et voilà, là on a les deux compos. Voilà, les amis, la compo est là, je vais vous l'afficher. Voilà, vous voulez la voir? Elle est là. Hop. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez les frérots? Est-ce qu'on valide? Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, est-ce que vous validez? Qu'est-ce que vous en pensez de ces deux compos? Ça promet un match enflammé? Qu'est-ce que ça nous dit d'autre, les amis? Et il est où le... Voilà, les amis, on est là. On est là, on est ensemble. Et oui, bien évidemment. Voilà, le match qui va commencer dans 15 minutes, les amis. 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. Voilà, donc soyez bien présents. Les amis, continuez à mettre des pouces. Voilà, il faut arriver aux 50, comme l'a dit Tonton. Mais même, j'ai envie de dire, on devrait arriver aux 100 pouces ce soir. C'est un classico. C'est un classico, il faut 100 pouces. C'est normal. Voilà, là c'est parfait. Voilà, les joueurs s'échauffer. Ah oui, là la caméra elle est carrément à côté d'eux. Voilà. Les joueurs de l'OM qui s'échauffent. Concentré. Focus.
Voilà, Balerdi. Voilà, Balerdi qui embrasse la pelouse. Allez, on revient au direct. Dans mon côté, la compo 4-3 comme on a eu un match face à l'Ajax Amsterdam et comme la compo de la saison dernière avec Tudor. C'est-à-dire, j'ai pas compris Jean Mendes. L'année dernière, on joue en 3-4-3. Voilà, Cataldo des Dodgers. Alors, qu'est-ce qu'il attend? Ah oui, on en reparlera de ça. Ah, j'ai oublié de... Voilà, on revient au direct. Allez les amis, on continue. Voilà, Pablo Longoria. Voilà, McCourt qui a dit je soutiens fermement Pablo Longoria, apparemment. Déclaration de McCourt. Mais bon, ce soir, salut Jean-Christophe. Jean-Christophe qui nous a rejoint. Allez, pour Jean-Christophe aussi, qui est un fidèle de la chaîne du Bar des Fadas, on va leur montrer. Allez, c'est parti. Et voilà, la vraie ambiance. Et merci, on est arrivé au 3100. Et comme promis, je vous ai dit, j'allais faire la célébration. Goal. Et voilà les amis, c'est fait. Et merci, merci beaucoup pour les 3100. Et merci, merci, merci. Let's go. Comme l'a dit Nargo Fuchs. Voilà, let's go. Les 3100, on l'a fait sur YouTube. Merci les amis. Ah là là, quel tifo. Quel tifo dégueulasse de la part du Bois de Boulogne. Voilà la compo qui s'affiche au Bois de Boulogne là-bas. Donc sur le banc, Blanco, Maïté, Murillo, Nadir, Soglo, Harit, Mouégué, Ndiaye et Correra. Voilà, sur le banc de l'OM, qui seront remplaçants. Et merci Nargo, c'est toi, tiens, un régal frérot. Allez, on continue les frérots. Là, il va falloir une autre canette là. Hein. On s'en fout, c'est zéro sucre. Zero sugar. Let's do it, bro. Allez, oh là là, magnifique. On va se régaler ce soir. Moi, je vais voir un match avec de l'intensité, du jeu, de la combativité surtout. Voilà, qu'est-ce qu'ils vont nous faire encore? Ils ont vraiment des animations pourries. Hein. C'est Disneyland là-bas. C'est même pas un stade de foot qu'ils ont. Zéro sucre, zéro caféine. J'ai pas compris ton message d'un Christophe. Ah là 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 là. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Allez, là on se rapproche du coup d'envoi les amis. C'est chaud. On se rapproche du coup d'envoi. Continuez à mettre vos pronostics. Continuez à tout donner, hein, frérot. On est là, on est ensemble. On va voir un peu sur Facebook. Qu'est-ce que ça nous dit sur le Facebook? Tac, tac, tac. Salut Bruno, Bruno! Bruno, Bruno qui nous a rejoint sur le Facebook. Salut à toi, mon frérot. J'espère que tu vas bien.
Ah, 3-2 pour l'OM alors. C'est ça que tu dis? Ou 3-2 pour le Bois de Boulogne? Je suis confus. Voilà, Bruno qui met son pouce sur le Facebook. Merci à toi, Bruno. Tu es au top. Merci, frérot. Oh, Olympique, allélo, Olympique, allélo, Olympique de Marseille. Les amis, on est là comme si on était au stade. Encore mieux. Je vous l'avais dit. C'est mort, pas de but pour ces Parisiens. Ben ça, il faudrait que le meilleur ami de tonton Célou, Paul Lopez, il fasse le taf ce soir. Voilà, qu'il nous sorte un grand match, Paul Lopez, ce soir. Eh oui, les meilleurs tifos, c'est nous, bien sûr. Allez. On a confiance ce soir. Voilà, même Bruno, il dit pareil que toi. 3-2 pour l'OM. Mince, il y a Mbappé. T'inquiète, on a Mbemba dessus. On a Mbemba dessus, t'inquiète pas. Il va être sur ses côtes. Allez, on continue les frérots, restez bien présents avec nous. Voilà. Allez, le match qui va commencer dans quelques minutes maintenant. 7 minutes du coup d'envoi les amis, 7 minutes. Voilà. On est à 7 minutes du coup d'envoi. Et merci dans le cul Gatu chez Kanté091 pour la force. Merci à vous les frérots. On est ensemble. Voilà, nos amis sur Twitch. On est là. Allez, on continue. Et la mobilette d'art. Ah, la mobilette Sar, ouais, il est pas là, ça. Il est blessé, il reviendra peut-être face à Monaco normalement. Excusez-moi. Faut que je me mute quand je touche. Désolé les amis. Allez, encore 10 pouces les amis, on arriverait aux 50. Merci Nargo pour la force. Salut à tous et allez l'OM, nous dit Steph. Salut à toi Steph, j'espère que tu vas bien frérot. Et bienvenue à toi. Aux armes Jean-Christophe, aux armes. On va le lancer juste avant le coup d'envoi. Le fameux aux armes du stade Vélodrome qui va résonner dans vos oreilles. Soyez prêts. Soyez prêts, soyez prêts. Bien sûr. Allez, on continue. Allez, les amis, continuez à donner de la force. En attendant le début du match, continuez. Ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas. Le match, il est sur Amazon Prime, les amis. Mais même si vous avez le match, restez avec moi. Vivez le match entre supporters. Vous avez l'ambiance. Vous avez vos collègues, vos supporters, vos amis supporters marseillais qui sont là. On discute, on débat, on commente ensemble sur le chat. Donc restez avec nous les amis, n'allez nulle part. Voilà, super. Voilà. Il y a plein de gens qui ont le match et ils nous suivent. Faut juste muter Amazon Prime parce que c'est ennuyant. Voilà, c'est relou. Et vivre le match avec nous les frérots. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, j'avais celui-là aussi, je crois. Ouais. Qui sont pas nés par Marseillais? Qui sont pas nés par Marseillais? Eh oui, les gars, on a tout ici, on a tout au bar des Fada. On a tout ce qu'il faut. Donc restez bien là. Allez, ça repart. Voilà les joueurs. Voilà les joueurs qui arrivent sur le terrain.
Voilà, le match dans 4 minutes, ça y est, ça va commencer. Restez bien branchés les amis. On va vivre ce classico tous ensemble. Tiens, tueur en argot. Allez. Oh là là. Ils ont fait un tifo de merde. Et pour le cacher, ils ont mis des fumigènes. Comme ça, on ne le voit pas. Super. Super les losers. Et merci Kanté. Merci à toi Kanté, au top. Allez, bon match à tous. À tout le bar. À tout le bar des Fada. Allez. On est chaud. Voilà, on voit Mbappé beaucoup trop confiant. Avec son sourire narquois. Je crois que ça va être un match facile. On va lui montrer ce soir. Allez. Et merci pour la force. Sur Twitch, la Lujul. C'est ça. Voilà. Qui vient de s'abonner sur Twitch. Merci à toi. Allez les gars. On va voir des guerriers ce soir. On veut voir des guerriers ce soir. Allez, c'est bon, là on est bon. Allez, go, nous dit Christophe Totti. Nous sommes les Marseillais, nous allons gagner, nous dit Bruno. Voilà, on revoit cette équipe du Bois de Boulogne donc. Avec ce 4-2-4. C'est ça, ou un 4-4-2 comme tu veux. C'est plus un 4-2-4 pour moi. Donc voilà, on va voir comment on va jouer. Je pense que là, les contres, ça va y aller. Allez, ça continue. Eh oui, allez. C'est ça, mon ami, c'est ça. Et Giuliano qui dit bon match à tous. Bon match à tous, les frérots. Allez, on va mettre un dernier coup de pression à ces parigots. Voilà, on va leur montrer c'est qui l'Olympique de Marseille. Et on va faire ça tout de suite, là. Amis, on revient au direct. Merci à toi Kanté pour la force que tu nous donnes à chaque fois. Merci. Allez, on continue. Voilà. Allez, le coup d'envoi qui va être donné. Je crois que c'est Paoletta, non? Pedro Miguel Paoletta. Comme je n'aime pas ce joueur. Allez. Ah là 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 là, quelle ambiance pourrie. Quelle ambiance pourrie dans ce stade pourri. On n'y peut rien. On n'y peut rien, on n'y peut rien. C'est pas de leur faute. Hein. Voilà. Allez, c'est parti les amis. Le coup d'envoi qui va être donné dans un instant. Ah oui, attends. Hop. Autant pour moi. Allez, c'est le Bois de Boulogne qui va donner le coup d'envoi. Voilà, super. On l'a. Allez hop. Voilà. On a les stats. Le timer, il est prêt. Vous êtes prêts, le coup d'envoi les amis. Allez l'OM, nous dit Patrick Sertin. On te salue Patrick Sertin. Attention, c'est parti. Et c'est parti. Ce coup d'envoi qui est donné entre l'Olympique de Marseille et le Bois de Boulogne. Et le Bois de Boulogne qui dégage le ballon loin devant sur la tête de Mbemba. Là, il y a au duel. Ce ballon un peu faufolé et c'est récupéré par Rongier. Ounaï.
Bonet qui perd le ballon. C'est le ballon qui est récupéré par Hernandez. Hernandez qui arrive à trouver Mbappé dans la surface. Mbappé. Mbappé qui n'a pas de solution. Il revient sur Hernandez. Le centre d'Hernandez. Et ça passe à côté des cages de Paul Lopez. Allez. Et l'OM qui va pouvoir se dégager tranquillement. Vas-y Narco. Qu'est-ce qu'il a fait? Le dégagement de Paul Lopez directement en touche. Ça commence bien. Allez, les Parisiens qui refont la touche. Hernandez qui rejoue sur Skriniar. Marquinhos. Dans le rond central, Marquinhos. Marquinhos qui avance, personne ne l'attaque. Les Marseillais sont bien regroupés. Ils ne se jettent pas dans la gueule du loup. On va les attendre, je pense, hein, dans un premier temps. Skriniar. Emery. Hernandez qui revient sur Skriniar. Skriniar dans le rond central. Marquinhos. Marquinhos qui arrive à trouver Dembélé. Dembélé n'a pas de solution. Il remet sur Skriniar qui est toujours dans le rond central. L'OM est bien en place. Ils ne sortent pas. Les Parisiens n'ont aucune solution. Voilà. Et ça essaye de combiner. Avec Emir Zahiri. Pardon. Emir Zahiri. Skriniar. Marquinhos. Voilà. Les Parisiens qui ont du mal à passer la ligne des 35 mètres dans les camps marseillais. Allez, on continue avec Mbappé. Mbappé balle au pied, aucune solution d'Mbappé. Et encore une fois, il revient sur Skriniar dans l'euro central. Marquinhos qui redonne à Skriniar. Voilà, pas de solution. L'homme est bien en place. Et l'ouverture de Hernandez pour Dembouz. Et ce ballon qui va être perdu par les Parisiens. Voilà, je pense que c'est ça qu'ils vont faire les Marseillais. Bien les attendre. Oh là là, ce ballon mal remis de la part d'Unai et qui va être récupéré par les Parisiens. Ah là 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 là. Dembélé. Dembélé, la passe Dembélé pour Mbappé. Mbappé qui s'appuie sur Emery. Emery. Mbappé dans la surface. Le centre d'Mbappé et la tête de Mbemba. Et ça revient sur Skriniar. Hernandez. Hernandez, pas de solution. Il est obligé de revenir jouer derrière. Voilà, les Marseillais bien en place. Hein. Ça bouge pas. Ça bouge pas pour l'instant. Voilà, on le sait. Pas de solution. L'OM est bien en place. Allez. Toujours pareil. Hein. Hernandez, Skriniar, Skriniar. Voilà, dans le rond central. Les Parisiens sont hauts. Hakimi qui s'appuie sur Dembélé, qui relance Hakimi sur le côté droit. Le centre d'Hakimi dans la surface. Et Balerdi qui dégage ce ballon. Et attention, c'est récupéré par Ugret. Le tacle de Lodi. Rongier qui vient en aide. Et Rongier qui se bat. Attention, Hakimi qui arrive à faire le tour. Et Dembélé, le centre Dembélé dans la surface pour Mbappé. Et attention, les Parisiens qui récupèrent la balle. Attention, les Parisiens qui accélèrent. Mbappé qui s'appuie sur Zahiri et la sortie de Gigot qui vient récupérer ce ballon. Et ce ballon qui est mal sorti par Gigot est vite récupéré par les Parisiens. Allez, Marquinhos qui écarte sur Dembélé. Dembélé le long de la ligne de touche. Dembélé qui s'appuie sur Hakimi. Hakimi qui trouve Mbappé. Dembélé, l'appel de Mbappé. Dembélé n'a pas suivi. Et ce ballon perdu. Aubameyang. Voilà, les Marseillais qui essaient de ressortir ce ballon. Ils ont du mal. On voit ce centre pour Mbappé qui a jailli dans la surface. Et heureusement, il est passé à travers. Allez, Lodi. Balerdi. Le pressing sur Balerdi qui va dégager loin devant Vitinha. Ah là, dommage. Mauvaise prise de balle de Vitinha qui perd ce ballon. Et les Parisiens qui vont pouvoir se ressortir. Barcola sur le côté gauche. Barcola face à Klos. Barcola dans ses dribbles. Klos ne se jette pas. Barcola qui dribble Klos. Barcola qui rentre dans la surface. Et heureusement Rongier était là en deuxième couverture pour récupérer ce ballon.
Et les Marseillais qui vont obtenir la touche. Quel beau retour de Rongier. Allez, on continue les amis. Et attention, on repart. Allez. La touche qui va être effectuée. Et la tête de Gigot. Et ça revient dans les pieds de Gratte. Ugarte. Autant pour moi, Ugarte. Allez, Marquinhos. Qui écarte sur Dembélé sur le côté droit. Dembélé qui avait Hakimi partir. Et Ballardi qui vient mettre un coup d'épaule pour repousser Hakimi. Et mettre ce ballon en touche. Bien joué Ballardi. Allez, on revient dans le match. Ballardi encore une fois. Propre ça, Ballardi qui récupère le ballon. Que dit l'arbitre? Faute sur Mbappé, c'est incroyable. C'est du n'importe quoi. Ah là 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 là, ça commence. Ah ouais, il y avait faute à Ballardi. Je suis mauvais. Je le sais, excusez-moi. Voilà, c'est bon. Attention, coup franc. On est à peu près à 20 mètres, 19 mètres, 20 mètres. Dégage de Paul Lopez. Allez, premier coup franc dangereux. Alors, qui c'est qui va tirer? Allez, c'est parti. Coup franc tiré! Oh là 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 là. Hakimi qui met un coup franc direct à Paul Lopez. Incroyable. Voilà. Je sais pas quoi dire. Alors, attends. J'arrive toujours pas à y croire qu'on vient de se prendre un coup franc direct en fait. Voilà, le bois de Boulogne sur une faute de Ballardi, encore une fois. Aïe. C'est un fait de jeu. Paul Lopez qui est vraiment loin du ballon. Hein. Alors Mbappé qui se plaint d'une blessure. Alors attendez, on va voir ça. Mbappé qui se fait soigner. Le bois de Boulogne est à 10. Allez, en espérant qu'il s'est fait mal. Allez, on repart. Allez l'OM, allez les gars, c'est pas grave. On peut revenir, cette équipe a du caractère. Ils ne l'ont prouvé. Oh non, oh là là, Jonathan Clauss qui rate sa passe. Et le bois de Boulogne qui récupère le ballon avec Ugarte. Ugarte qui lance Barcola sur le côté gauche. Barcola qui passe Clauss. Barcola qui passe tout le monde. La frappe de Barcola et Gigot, tel un mur, vient bloquer le tir de Barcola. Voilà, apparemment Mbappé est blessé. On va voir. Bon, si Ballardi a fait ça, on lui pardonne. Mais c'est vrai que Paul Lopez, pas bon ça pour Paul. Attention, l'ouverture pour Barcola. Et ça va être une sortie de but pour les Olympiens. Non, ça y est, je crois qu'il va revenir. Il est revenu sur le terrain. Tête de melon. Allez, on continue les amis avec Mbemba. Mbemba qui lance Vitinha dans la profondeur. Vitinha face à Skriniar. Et c'est Skriniar qui va prendre le dessus et remettre le ballon à Donnarumma. Allez, l'OM qui est monté d'un cran. Voilà, ils se sont installés dans le camp parisien. Attention aux contre-attaques. Et voilà, Hakimi sur le côté droit qui déborde. Aubameyang vient faire le pressing. Hakimi qui s'appuie sur Dembélé. Dembélé qui dribble Aubameyang. Et Dembélé qui poursuit. Dembélé qui revient sur Skriniar. Mbappé. Irlandaise. Skriniar dans le rond central. Voilà, les Parisiens qui attendent. Les Marseillais. Mbappé qui a décroché au niveau du rond central pour venir toucher ce ballon. Zaïri. Skriniar.
Skriniar, pas attaqué. Il arrive à trouver Zaïri. Zaïri, Mbappé. Le 1-2, attention, dans la surface, Zaïri. Oh là là, le crochet de Mbemba qui prend des risques dans la surface. Je pensais qu'il y avait faute de Paul Lopez sur Barcola. Et attention, oh là là, Veretout, qu'est-ce qu'il a fait, Veretout? Mais c'est quoi ça? Ce ballon perdu, et attention, Dembélé. Dembélé, la balle piquée, Dembélé pour Mbappé. Et Paul Lopez qui va s'imposer. Et alors, Mbappé, on voit qu'il boite. Je crois que Mbappé s'est fait mal sur cette accélération, on va voir ça. Alors, on va suivre Mbappé. Il a mal, hein. Il a mal. Il va pas finir le match. Voilà, il va pas finir le match, je peux vous l'assurer. Et attention, cette contre-attaque avec Jonathan Clauss qui a tout le temps. Jonathan Clauss qui trouve Vitinha. La frappe de Vitinha, contrée par Marquinhos. Oh là 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 là, quelle action! Quelle action! Allez! Quelle action de Vitinha! Grosse occasion pour l'OM qui se réveille dans ce match. Alors, c'est qui? C'est qui le... C'est Skriniar qui reste au sol. Oh là là, quelle frappe de Vitinha! Croisée! Elle allait droit au but! Et Marquinhos qui est venu mettre son corps en opposition. Allez, on continue, les amis, on continue de pousser. Allez, Aya Tibi. Tibibi, pardon. Voilà Mbappé hein, qui fait toujours signe d'avoir mal. Alors, est-ce que c'est de la comédie? Comédia d'alerte, de tête de noisette, on va voir ça. Allez, on continue. Avec Marquinhos. Marquinhos, balle au pied, qui avance. Marquinhos au niveau du rond central. Skriniar. Skriniar qui arrive à voir Mbappé. Zaïri. Ugarte dans le rond central. Ugarte qui s'appuie sur Marquinhos. Marquinhos qui écarte sur Hakimi. Dembélé. Voilà les Parisiens qui n'ont pas de solution. Ça fait tourner le ballon. Et l'OM qui reste en place. Voilà. On va pas se cramer physiquement. Allez, Barcola sur le côté gauche. Barcola long de la ligne de touche. Et Barcola qui va perdre ce ballon. Et Clauss la récupère. Rongé. Clauss. Oh là là, Clauss. La mauvaise passe de Clauss. On perd beaucoup. On perd le ballon beaucoup trop rapidement, les amis. Beaucoup trop rapidement. Et attention, Aubameyang qui fait, qui récupère ce ballon. Et qui va lancer la contre-attaque. Aubameyang. Là, c'est pas serein. Unai. Unai qui lance Aubameyang dans la profondeur. Mais Marquinhos et Skriniar étaient là pour couvrir Aubameyang. Allez, les Parisiens, c'est beaucoup trop facile pour eux. Hein. Les gars, c'est beaucoup trop facile. Allez, on attend des joueurs comme Unai pour faire la différence techniquement. Essayer de créer des décalages pour essayer de faire des passes, pour casser des lignes. Allez, on continue. Avec Dembélé sur le côté droit. Il revient derrière sur Marquinhos. Skriniar dans le rond central. Voilà, on dirait que c'est des schémas. Voilà, travailler à l'entraînement, on repasse toujours comme ça. Voilà, Marquinhos. Voilà, Marquinhos qui n'avance même pas. Il attend. Voilà, les joueurs de l'OM ne se jettent pas. Ils restent en place. Alors, je sais pas si ça c'est bon. Hein. Voilà. Allez, Hernandez. Hernandez. Et merci, c'est qui vient de s'abonner là, sur Twitch? Zerli945, bienvenue à toi le frérot. Et allez, Dembélé sur le côté droit. Et Mbappé, alors c'est Mbappé qui est sorti les gars, hein. C'est bien ça. Hein. Mbappé qui vient de quitter la pelouse du parc Photoxpur. Je sais pas si vous connaissez le parc Photoxpur. Au Merlan, juste en face le carrefour du Merlan. Voilà Mbappé qui est sorti. Alors est-ce qu'ils ont fait le changement ou pas? Alors pas encore. On va voir. On va checker sa cheville. Voilà, j'espère qu'il va sortir. On est méchant. Mais on sait que s'il sort, ils vont être perdus. Ils vont être déboussolés. Voilà, dans Lucky Galtius qui dit on est béni. Eh oui. Alors, Skriniar, on repart dans le match, les amis. Skriniar. Zaïri face à Veretout, il arrive à passer et à donner ce ballon à Hakimi. Marquinhos. Dembélé, le long de la ligne de touche. Dembélé face à Lodi. Dembélé, Zaïri.
qui avait Barcola là-bas à gauche. Barcola face à Klos. Barcola face à Klos. Là, Klos qui se jette pas. Bien joué ça, Klos. Et on revient derrière sur Hernandez, le traître. Le mec qui retourne sa veste pour des chèques. Eh oui. Allez, on continue. Avec Dembélé sur le long de line, tout touche à droite. Dembélé qui arrive à trouver Zaïri. Zaïri qui arrive à trouver Marquinhos. Hakimi. Hakimi qui arrive à trouver Dembélé. Dembélé qui a tout le temps de centrer. Non, il va attendre, il va essayer de passer le crochet. Et Veretout qui récupère ce ballon. Hakimi, Dembélé, le centre d'Hakimi dans la surface. Et ça va être dégagé de la tête par Gigo et Balerdi. Et Hernandez qui va être contré sur ce ballon. Et ça va être corner pour le Bois de Boulogne. Et on revoit Mbappé. Ah ouais, sa cheville qui a tourné. Et je crois qu'il va sortir. Hein. En tout cas, j'aimerais bien. Ou qu'il se fasse encore plus mal. Je suis méchant, c'est pas bien. Faut pas penser comme ça. C'est pas bien. Allez, on continue. Alors, ce corner, attention. Je crois qu'il est revenu sur la pelouse. Hein. Cette tête de noisette, hein. Tête de pistache. Allez, Dembélé. Zaïri. Zaïri qui change de côté là-bas. Oh là 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 là, mais quel corner. Ils ont fait un corner pour finir le redonner à Donnarumma. Tu vois, c'est pas une équipe sereine ça pour moi. C'est pas une équipe sereine. Donc voilà, on va suivre ça. Allez, c'est reparti. Avec Skriniar qui écarte sur Hernandez. Hernandez qui remet sur Skriniar. Et voilà les amis. Allez, Zaïre Emery. Lucas Hernandez, Skriniar, Marquinhos. Allez, on va donner un peu de force à notre équipe. Et Lodi face à Dembélé. Lodi. Lodi qui essaye de s'appuyer sur Veretout. Et les Marseillais qui vont récupérer la touche. Tête de noisette est bien revenue sur la pelouse. Allez, les gars, on continue. Cette touche qui est jouée vite fait. Avec Unai qui va lancer la contre-attaque. Unai. Oh là là, Unai qui perd le ballon. Oh, c'est incroyable. Hein. Physiquement, au duel, on perd tous les duels. Voilà. On n'arrive pas à. Je sais pas. On dirait dès que le porteur du ballon reçoit le ballon, il tremble. Allez. Allez, les gars, faut se réveiller là. C'est bon, ça fait 20 minutes. C'est maintenant que ça se passe. Allez, Marquinhos. Putain, c'est toujours le même schéma. Ils peuvent pas se mettre en place. Allez, Gigo qui va dégager cette tentative parisienne. Ça revient sur Hernandez. Et c'est finalement Balerdi qui va mettre le pied sur le ballon. Balerdi qui trouve Veretout. Lodi, l'ouverture de Lodi pour Aubameyang. Aubameyang qui réussit son contrôle orienté. Le crochet. Et malheureusement, je crois que c'était Skriniar qui lui enlève le ballon. Et quel contrôle d'Aubameyang en pleine extension. Magnifique. Et quelle ouverture de Lodi. Quelle ouverture de Lodi. Magnifique. Et le contrôle d'Aubameyang. Le crochet sur Hernandez. Et c'est Skriniar qui vient lui piquer le ballon. Ils étaient deux sur lui. Incroyable. Les amis, continuez à mettre des pouces. Continuez à vous abonner sur la chaîne du Bar des Fadas. Ça coûte rien. Et ça donne de la force. Voilà. Ça donne énormément de force à la chaîne. Voilà. Donc si vous voulez donner de la force, mettez des pouces et abonnez-vous. Allez, on repart avec Mbappé. Voilà, Mbappé, il n'y est pas physiquement. Allez, ça repart avec Unai. Unai, Veretout. Et le ballon qui est récupéré par les Parisiens. Et ça va être Mbappé. Mbappé face à Mbemba. Mbappé dans la surface. C'est ce ballon qui va être dégagé par Ronald Lodi. Oh là là, c'est incroyable. C'est incroyable. Et attention, Dembélé, le centre de Dembélé dans la surface, ça va être dégagé par la tête de Balerdi. Et le ballon qui est récupéré par les Marseillais avec Unai, le crochet d'Unai. Unai qui arrive à garder le ballon et qui va redonner à Paul Lopez. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. Paul Lopez, voilà, qui écarte sur Aubameyang. La déviation de Aubameyang, ça n'a pas marché, mais c'est récupéré par Unai. Rongier, Veretout. Voilà, l'OM qui pose le pied sur le ballon maintenant.
Oh non, Klaus, pourquoi? Pourquoi tu fais des passes comme ça, Klaus? Oh, la faute de Vitinha sur Hernandez. Klaus Dekonadji, c'était l'homme de l'OM de ce début de saison. Ce match-là où on a besoin de toi, énormément de déchets. Allez les gars, faut jouer sans pression. Il faut juste tout donner. Voilà, et ne rien regretter. Allez, ce ballon qui est récupéré par l'OM avec Unai dans le rond central. Unai qui écarte pour Veretout. Veretout, la passe de Veretout qui est interceptée par Ugarte. Mais il a une deuxième chance et Veretout a bien vu. Renat Lodi là-bas à gauche. Renat Lodi face à Hakimi. Et Lodi qui a bien vu Rongier dans la surface. La passe de Rongier. Ça va être intercepté par Marquinhos. Pardon. Cette passe pas assez appuyée. Attention à la contre-attaque des Parisiens avec Dembélé. Et le retour de Balerdi. Dembélé qui tombe. Que dit l'arbitre? Rien du tout. Lève-toi. Ah, c'était Colomoigny, pardon. Colomoigny. Allez, c'est récupéré par Lodi sur le côté gauche, qui repasse dans l'axe par Unai. Et Unai qui va lancer Jonathan Klaus, qui a tout l'espace sur le côté droit. Jonathan Klaus, il a tout le temps de centrer. Applique-toi, Mino. Le centre de Klaus pour Vitinha. Quel centre de Klaus et quelle tête de Vitinha. Et l'arrêt de Donnarumma. Quelle action marseillaise. Oh là là, magnifique Klaus. Bon, il fallait que je le pique un peu. Qui s'est bien appliqué. Et la tête de Vitinha sur la barre. Pardon, c'était sur la barre. Oh là 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 là, Vitinha. Ah, oh, quel dommage. Quel dommage, quel dommage. Mais allez, on continue les amis, on y croit. Allez, si on peut mettre un but avant la mi-temps, ça serait super, on leur mettrait le doute. Allez, c'est reparti. Avec Skriniar. Et merci pour le sub. Alors, c'est qui pour le sub? Excuse-moi, j'ai pas vu ton nom. Fils de Slazer. Fils de Slazer. Slazer son. Welcome. Welcome. Allez, on repart. Alors, attends. Hop. Allez, Skriniar. Skriniar qui arrive à trouver Barcola. Zahiri sur le côté gauche. Zahiri face à Klaus. Pas de solution, il remet sur l'Irlandaise. Irlandaise, Skriniar, Marquinhos, Dembélé, Marquinhos. Allez, Zaire Emery. Zaire Emery qui arrive à trouver Ugarte. Ugarte. Marquinhos. Et merci pour le pouce, Mathieu Castel. Merci à toi. Salut Slim. Ouais, des erreurs techniques. On a vu quelques bons moments côté marseillais. Donc voilà, on va voir. On continue. Et attention avec Dembélé sur le côté droit. Dembélé face à Balerdi. Le tacle de Balerdi. Dembélé qui réussit son centre. Et c'est finalement Zaïre Emery qui va récupérer ce ballon. Zaïre Emery dans ses dribbles. Et Klaus. Alors, que va dire? Voilà, Klaus qui va récupérer la touche. Et vite la jouer avec Vitinha. Oh là là, ce ballon qui est perdu. Et ça va être touche pour les Parisiens. Salut Yann Walter qui nous dit allez l'OM. Bienvenue à toi Yann. Bienvenue sur la chaîne du Bar des Fadas. Faites comme Yann. Abonnez-vous et mettez des pouces. Allez, on continue. Avec Théo Hernandez. Enfin, c'est Lucas Hernandez. Qui va faire la touche? Barcola. Barcola qui arrive à faire le tour de Jonathan Klaus. Les Parisiens qui arrivent à garder la possession sur ce match, sur cette action. Et allez, les Parisiens qui récupèrent la balle avec Skriniar. Marquinhos dans le rang central. Et oui, exactement. Allez, on continue. Avec Hernandez. Skriniar. Hernandez. En fait, tu comprends leur jeu, hein. En fait, ils gardent la possession pour t'attirer. Et ensuite, ils vont jouer une passe transversale sur le côté pour Barcola ou Dembélé. Et eux vont travailler avec Hakimi ou Mbappé. Voilà. Donc, je pense qu'il faut arrêter de se faire avoir. On sait que quand ils arrivent sur un côté de la surface, tu sais très bien qu'ils vont essayer de te détourner
élonger la surface pour essayer de frapper. Donc au bout d'un moment, les gars, c'est des professionnels. Il faut se réveiller là. Allez, on arrive à voir ce qu'ils font quand même. Ils font toujours le même schéma. Donc un peu d'anticipation. Allez, on continue. Avec Zaïre Emery sur le côté gauche. Face à Aubameyang qui est redescendu défendre. Allez, Skriniar, Marquinhos. Voilà. Toujours la même chose. Allez, on continue. J'ai limite l'impression qu'ils font de l'anti-jeu. Genre, ils veulent pas jouer, ils attendent. Allez, Dembélé qui va recevoir ce ballon sur le côté droit, le long de la ligne de touche. Dembélé. Dembélé, le centre de Dembélé, c'est contré. Attention, ça revient sur Ugart. Et les Parisiens qui vont récupérer la possession. Marquinhos. Marquinhos, Dembélé, qui aura une deuxième chance. Dembélé avec Ugart. Hakimi. Hakimi. Hakimi avec Mbappé dans la surface. Dembélé. Ugart. Et ce ballon, oh là là, qui va s'en sortir. Non, c'est récupéré par les Parisiens. Skriniar. Et Lodi qui vient intervenir pour empêcher Dembélé de récupérer ce ballon. Bien joué de la part de notre ami Ronaldo Lodi. Vrai soldat ce soir. Allez, Lucas Hernandez. Skriniar, Marquinhos. Dans le rond central toujours. Ça part toujours de là. Et Marquinhos qui avance et qui arrive à trouver Hakimi sur le côté droit. Marquinhos. Ils sont où les Parisiens? Les défenseurs parisiens sont dans, leur, dans notre camp aux 40 mètres. Ils sont à 40 mètres de notre ami Paul Lopez. Eh oui, il faut se montrer fort. C'est vrai. Allez, Emery. Hernandez. Skriniar. C'est pas fini, c'est pas fini. J'arrive pas à dire ton nom, mais c'est pas fini. Sur Twitch. D-A-G-D-J, je sais pas quoi là. C'est pas fini frérot, tu vas voir. Et attention, la récupération avec Aubameyang. Unai. Unai qui s'appuie sur Jonathan Kloss. Veretout. Allez, Veretout qui arrive à trouver Ronald Lodi sur le côté gauche. Veretout, attention, le pressing sur Veretout. Lodi. Voilà, la balle piquée de Lodi pour Vitinha. Et Vitinha est signalé en position de hors-jeu. Non, non, t'inquiète frérot, pas de soucis. Hey, j'espère que tu t'abonnes. Allez, allez l'OM, on va marquer. Ils vont. Allez, on est avec toi frérot, on est ensemble. Allez, Hakimi. Dembélé sur le côté droit, le long de la ligne de touche. Et merci. Et merci. Bienvenue dans la famille marseillaise. Dans ce match, le corner tiré par Dembélé et ça va être la tête de Balerdi qui va dégager ce ballon. Voilà, et les Parisiens qui vont reculer. Rongier doit bouger davantage. Ouais, 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 il y a quelques joueurs, il faut qu'ils se réveillent là. Il n'y a rien à payer, c'est tout gratuit ici. Rien n'est payant sur la chaîne du Bar de Fada, tout est gratuit. Je le répète, tout est gratuit. Salut Mathieu Castel. Voilà. Et allez, on repart. Avec Mbappé. Hernandez. Et merci Sophie Gomez pour l'abonnement sur YouTube. Merci Sophie. Bienvenue. Et allez, ça repart avec Emery. Emery qui continue d'avancer, pas de solution. Alors Mbappé qui demande à sortir, ça y est. Voilà, Mbappé, il en peut plus. Et il va sortir.
Voilà. Donc qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Est-ce que c'est une bonne nouvelle, la sortie de Kylian Mbappé? Voilà. Maigrillon, merci d'être abonné, Maigrillon. Voilà, Mbappé qui rentre directement au vestiaire. Ça se voyait, il n'avait pas envie. Il n'avait pas envie. Non, non, il n'a pas marqué s'abonner pour 5 euros. Ça, c'est si tu veux, on s'en fout. Ça, c'est les subs, je crois. Mais non, non, quand tu t'abonnes, c'est gratuit, mon ami. T'inquiète, il n'y a rien à payer. Sur le Twitch, c'est gratuit, frérot. C'est les subs qui sont payants. Pas les follow. Allez, on continue. Très bonne nouvelle pour Jean Mendes. On est mauvais. On est mauvais. On avait raison, on s'en fout de lui. Et là, les Parisiens sont à 10, je crois. Hein. C'est ça, il me semble. Hein. Allez, on repart sur le match, les amis. Oh là là, Mbemba qui se rate sur cette action et qui va faire faute. Oh là là, il va se prendre un carton. Sur Barcola. Oh, il a fait un crochet, il lui a démonté le genou. Ah. 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 Allez, qui c'est? C'est Ramos. Gonzalo Ramos qui va rentrer. Inch'Allah, on gagne. Nous dit Ayat Bibi. Inch'Allah, frérot. Ah, voilà, merci. Ben, si tu t'es abonné, normalement, il y a une petite notification qui arrive là. Allez, ça repart. Avec Dembélé. Marquinhos. Hernandez qui fait le crochet sur Vitinha. Zaïri. Le pressing. Voilà, l'OM qui est plus agressif là. Depuis la sortie de Mbappé. Ouais, Mbappé pas encore sûr de lui. Ouais. Là, il a pris des risques sur une relance comme ça. Non, tu fais, je sais pas, un crochet. Non, non, non. Non. Voilà. Écoutez, Yann Walter. Voilà, Yann Walter. Peuple marseillais, mettez des pouces. Allez. Allez, on revient sur le match. Avec Hakimi. Hakimi qui trouve Ugarte. Ugarte qui arrive avec Ugarte pour Dembélé. Dembélé face à Balerdi. Le centre de Dembélé au deuxième poteau. Et ça va être Barcola qui va le récupérer. Barcola. Et merci, play out. Pour, pour le pouce sur Facebook. Merci à toi. Et on revient. Ugarte et Emery. Et le dégagement de Gigot. Que dit l'arbitre? Faute sur Gigot. Faute sur Gigot. Et voilà, Mathias Gaspard. Alors Jean qui nous dit Mbemba n'est pas au niveau depuis le début de la saison. Ouais, il a du mal. Mais c'est pas... Il a joué à gauche depuis le début de la saison. Alors que l'année dernière, il jouait dans un format différent. Là, il revient à ce qu'il jouait l'année dernière. Donc peut-être lui laisser quelques minutes encore. Peut-être une mi-temps. Le temps de se réadapter. Allez, Mbemba, Paul Lopez. Allez. Il faut aller chercher cette égalisation avant la mi-temps. Ça leur mettrait un sacré doute. Surtout qu'ils n'auront plus Kylian tête de noisette. Allez, il faut les presser. Il faut leur mettre le doute. Et allez, c'est reparti avec Dembélé. Qui écarte sur Hakimi là-bas à droite. Hakimi qui remet sur Dembélé. Ugarte qui reste au sol, mais l'arbitre ne dit rien. Il laisse jouer avec Veretout. Oh là là, cette passe pour Klaus, arrête! Mais non, c'est n'importe quoi ça. Il lui fait une passe entre 5 adversaires. Non, sérieux. Aubameyang. Unai. Allez mon frérot Unai, tu peux le faire. Oh là là, Unai. Dans un festival qui arrive à conserver le ballon. Voilà, tranquille. Allez, Mbemba. Mbemba, il a vu Veretout partir. Oh là là, cette passe, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable qu'on ne sait pas faire des passes. Ah mais il faut taquiner frérot. Attention cette percée de Kolo Muani. Le tac de Ronaldo Lodi. Ah de Gigot pardon. Sur Kolo Muani. Et Balerdi hein, qui avait bien défendu également. Bien sûr Mathias Gaspard, faut que l'on égalise. Alors c'est qui ça? Slim Kanté. Slimane Kanté, voilà, qui vient de s'abonner sur Twitch. Merci à toi Slimane.
et bienvenue. Bien sûr. Allez, on repart tous pour le bois de Boulogne. Touche dans la surface. Attention. Et ça va être récupéré par les Marseillais. Et non, Barcola qui fait le ménage. Attention, pas de faute. Et c'est Rongier qui va dégager ce ballon. Et Skriniar qui va jouer sur Marquinhos. Allez, on continue. Allez, avec Barcola qui arrive à trouver Colomoni. Ugarte. Ugarte, Hakimi, Dembélé. Dembélé qui retrouve Hakimi, qui retrouve Dembélé. Le tacle de Renato Lodi. Voilà. Qui donne de l'air aux Marseillais. J'espère qu'ils vont en profiter pour monter un peu plus. Un peu plus haut sur le terrain. Et allez, les Parisiens qui continuent encore une fois à balle au pied. Allez, Marquinhos. Marquinhos. Zaïre Emery. Barcola. Barcola, Ugarte. La frappe d'Ugarte sur le poteau qui revient dans les pieds de Colomoini. Et Colomoini. Colomoini qui vient mettre le deuxième but et vient assommer l'Olympique de Marseille à la 38e minute. Oh là 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 là. Que c'est dur pour mon OM ce soir. Oh là là, quelle frappe sur le poteau. Paul Lopez, c'est lui qui la freine un peu pour Colomoini. Allez. Soirée compliquée pour nos Olympiens. Ça va être dur ce soir. C'est pas possible, Mathias, je suis d'accord avec toi. Les trois milieux se font balader. Ouais, le milieu terrain, c'est pas ça. Unai. Là, il faut faire des changements, Pancho. Hein. Dès la mi-temps, il faudra faire des changements. Ah là 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 là, Onaï, il n'y est pas du tout. Voilà, il a fait deux actions, mais beau énormément de déchets, Onaï. Je comprends pas pourquoi on n'a pas mis Harit. Et Onaï n'a pas de... Voilà, il y a faute, frérot. Ouais. Allez, on continue. Allez, il faut un but pour leur mettre le doute. Hein. 2-0, c'est le pire score hein, que tu peux avoir en vrai. Hein. Regarde l'Ajax. Hein. Allez, Rongier. Mbemba. Ah, mais Unai, frérot. Unai, c'est une touche, une perte de balle. Ah ouais, mais frérot, d'accord, il y a faute, mais il tient pas debout. Et oui, on craint des gars. Oh, il y a faute d'Hernandez quand même. Elle a pas de carton. La haine. Allez, on continue. Avec Veretout. Allez, frérot, 100 ans. Allez, Mbemba. Klos. Voilà, Klos qui va perdre ce ballon. Klos, il n'y est pas aujourd'hui, hein. Paul Lopez. Hernandez. Skriniar. Marquinhos. Hakimi. Dembélé. Marquinhos. La passe à destination de Gonzalo Ramos. Et ce ballon intercepté par Paul Lopez. C'est le premier. Il y a eu 3 tirs, 2 buts et 1 arrêt. C'est ça, non? Ah non, il y a 5 tirs, 2 buts.
Allez. Et ce ballon qui est vite redonné aux Parisiens. Et allez, Dembélé. Dembélé qui continue à pousser ce ballon. Dembélé. Dembélé qui tente une percée. Dembélé qui a bien vu. Ugarte là-bas dans la surface. Le tir sur la barre. C'est qui a tiré? Oh là là, on a failli se prendre le troisième. Position de hors-jeu, dit l'arbitre. C'était Hakimi. Hein. Et ce ballon de Gonzalo Ramos. Pour Hakimi. Aïe 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 aïe. C'est compliqué ce soir. Voilà, manque de mouvement entre les milieux et les latéraux. Verretou trop lent et Aubameyang en Casper. Il faut conserver le ballon. Eh ouais, on n'arrive pas à conserver le ballon. Allez, on continue les amis. Allez, on reste présent, allez. Alors, on en est où, là ? Eh oui. Allez, et c'est reparti avec Emery. Qui écarte sur Barcola. Barcola. Barcola face à Klos. Barcola face à Klos. Et Barcola qui arrive à passer Klos. Et a donné le ballon à Gonzalo Ramos. Dans la surface, Ugarte. Et Ugarte qui va écarter sur Marquinhos. Ah mais les gars. On joue quand sinon? Tu as raison frérot. On joue pas du tout. Je suis déçu. Ugarte. Hakimi. Dembélé. Marquinhos, Skriniar. Oh là là, ce ballon perdu par Rongier. Incroyable, incroyable, incroyable. Je crois que j'aurais préféré ne pas voir le match. Voilà, mon père il m'a dit, moi je regarde pas le match ce soir. Il m'a dit, je regarde ni le match, ni toi sur YouTube, rien du tout. Il m'a dit, je le sens pas. Et attention, Hakimi. Hakimi, le dribble d'Hakimi sur Balerdi. Que va dire l'arbitre? Aïe, 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 c'est dur là. Allez, ça repart avec Hakimi, le centre. Et ça va être une nouvelle fois corner pour le Bois de Boulogne. Et Balerdi, il a blessé déjà un petit peu, hein. Allez, on continue. Allez, corner sur la tête de Skriniar qui passe au-dessus. Et les Marseillais qui vont pouvoir se dégager tranquillement. Allez, on repart. On voit le but. Enfin, moi j'ai pas envie de le revoir. Allez, on repart. Et oh là là, ce ballon perdu encore une fois par Unai. Il a perdu 150 ballons, c'est incroyable. Oh là là, ce tir de Dembélé facilement capté par Paul Lopez. J'ai carrément oublié son nom. Incroyable. Allez, on repart. Allez, Paul Lopez. Allez, qu'on rentre à la mi-temps. Que Pancho leur parle, qu'il fasse du changement. J'espère qu'il va arrêter avec ce 5-3-2 là ou je sais pas quoi. Et qu'on va revenir à notre 4-3-3. Voilà. 4-3-3. Tu sors Veretout. Tu fais rentrer. Non, ben non, il faut sortir un défenseur, ouais. Et là, c'est dur de. Ouais, tu sors peut-être un Mbemba. Hein. Parce que Balerdi a été meilleur. Pour moi. Allez, on repart. Avec Colomoni. Colomoni qui arrive à conserver le ballon. Ugarte. Hernandez.
Barcola, Zaïri. Zaïri, Hernandez. Skriniar. Hernandez. Allez, 3 minutes de temps additionnel. Voilà, on a déjà eu une de passée, bientôt deux. Allez, on repart. Avec Marquinhos dans le rond central. Marquinhos qui écarte sur la droite pour Dembélé. Le long de la ligne de touche. Voilà, les Parisiens qui font tourner le ballon. Qu'est-ce qu'on s'ennuie dans ce match? C'est incroyable. Oh là là, les passes comme ça, ça m'énerve. Et Barcola dans la surface. Barcola. Barcola face à Mbemba. Et ce ballon qui va sortir en 6 mètres. Bien joué Mbemba. Allez, ça repart. Avec Paul Lopez qui va dégager ce ballon loin devant. Et c'est Skriniar de la tête. Et Veretout qui était venu aider. Vitinha. Voilà, Vitinha qui arrive à conserver ce ballon. Vitinha qui s'abuse sur Klaus. Klaus sur Rongier. Oh là là, quelle passe de. Oh là là, Rongier qui remet encore une fois la tête. Et ce ballon qui va être sortir en touche pour les Marseillais. Allez. Pourquoi pas un petit but là avant la mi-temps. Pour redonner de l'espoir. Oh là là, ce ballon vite perdu. Attention, Veretout qui se bat bien. Oh là là, faute. Un petit carton à l'arbitre là-haut. Faute sur Rongier. Qui se plaint d'une douleur au tibia. Ah, ah la cheville. Oh là là, Hernandez. Ah oui, c'est carton rouge ça. Ah non, frère, il lui marche sur la cheville. Là, la VAR là. Il n'y avait pas un truc paillé, il avait fait la même chose, c'était un carton rouge. Ne me touchez pas, il lui a dit. Ah mais lui, c'est Hernandez, c'est vraiment, mais... Oh, il a mis la main à l'arbitre, mais ne me touchez pas, il a dit, oh pardon. Bah, c'est un cave lui, hein. Lui, c'est un super cave. Allez, Veretout. Qui va effectuer ce coup franc. Allez, attention, beaucoup de monde dans la surface. Le coup franc. Oh, premier poteau, il n'y avait personne. Et l'arbitre qui siffle la mi-temps dans ce match. Comment tu veux marquer un but? Là, faut déjà qu'on fasse un bon contrôle de balle ou un coup de pied arrêté, mais c'est tout. Ben, alors, en bas, je vais un petit peu. Voilà. Alors, les amis, donnez-moi vos réactions sur le chat. Moi, personnellement, je suis déçu. Voilà, comme vous avez vu sur le titre de la vidéo, j'ai dit en vue des guerriers. Et moi, je suis désolé. Mais là, dans cette première mi-temps, je n'ai pas vu de guerriers. Voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vais un peu avoir vos avis sur ce match, les frérots. Allez-y. En attendant, je vais aller me chercher à boire. Et quand je reviens, je relis tout ça. Oui, il faut être positif. Mais il faut être positif si tu vois l'envie. Tu vois que c'est des guerriers, tout ça. Là, les contrôles, tu n'arrives pas à les faire. Les passes, elles sont toutes interceptées. Les duels, ils sont tous perdus. Barcola, il se balade. Dembélé et Hakimi, ils se trouvent comme ils veulent. Les seuls moments où on récupère la balle, c'est quand eux font des fautes techniques. Bah oui. Mais bien sûr, Mouto. Mais c'est ça. Amar, moi, je suis d'accord avec Amar. Il faut repartir sur le 4-3-3. En fait... Attends, je remets la vidéo 2 secondes. Juste pour vous expliquer. Le mec, les joueurs, depuis la préparation, ils se sont préparés avec un 4-4-2. D'accord? Là, face à l'Ajax, t'as fait un 4-3-3 qui a plus ou moins marché. Pourquoi t'as pas continué sur cette voie-là pour essayer de l'améliorer, améliorer les automatismes, les systèmes de jeu et venir affronter le Bois de Boulogne avec cette équipe-là? Pourquoi tu veux changer un dispositif où t'as pas beaucoup de temps? On a joué jeudi,
Donc vendredi, tu as vendredi, samedi. Tu n'as pas assez de temps pour préparer ton équipe. Donc il fallait rester sur un système que tu connaissais. Voilà, qui t'est familier. Voilà, je vais juste me chercher à bord, continuer à mettre des commentaires. Voilà les amis, je suis de retour. Donc allez-y, on va revoir un peu ce que les commandes. Ça y est, dans le Kugatu, je me suis occupé, t'inquiète. Alors Momo, Colomwani hors jeu sur son but. Ah ouais? Alors si on gagne. Alors je vois beaucoup de messages, je vais essayer de tous vous lire, alors attendez. Alors Pancho j'aime beaucoup, mais... Alors dites-moi les amis sur le chat. Alors attends. Ouais désolé, ça a pris du temps, je suis allé à la buvette, me chercher à bord, j'ai même commandé un petit sandwich, ça arrive. Ouais, alors dites-moi un peu votre ressenti là, qu'est-ce que vous faites pour la deuxième mi-temps? Est-ce qu'on passe sur un 4-3-3 ou est-ce que... on reste dans ce système là. Qu'est-ce qu'on fait et quel changement vous voulez faire? Voilà.
Ouais, Vecina qui tape la barre. Aubameyang, il a eu une action aussi, dommage, mais il a été inexistant, Aubameyang. Hein. 4-3-3, entrée de Ndiaye. Ouais, Unai, il faut le sortir. Moi, pour moi, les changements qu'il faut faire, Unai, alors, ça dépend, parce que Unai avec Harit, ça peut peut-être mieux fonctionner que Unai avec Veretout ou Rongier, pour moi. Hein. Ah ça on sait pas. Alors tant que le Qatar sera là au PSG, les arbitres on pourra jamais être champion. Mais non les gars, ça veut rien dire. C'est n'importe quoi ça les gars, c'est nous hein. C'est que nous frérot, c'est pas que les arbitres hein. Oui on s'est fait voler y a, sur certains matchs. Mais tu peux... Voilà. Alors on revoit l'action, y a pas hors-jeu hein de... C'est bien Mbemba qui le couvre. Hein. Voilà. Faut Harit, nous dit Giuliano. Est-ce que vous êtes d'accord? Exactement. Mais Nivek, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, mon frérot. Moi je comprends pas pourquoi tu as peur de jouer le Bois de Boulogne. Explique-moi pourquoi tu as peur. Voilà. Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu veux changer ta compo? Pourquoi tu veux juste ne pas jouer au foot? Joue ton jeu. Joue, c'est pas grave si on perd, ben on, mais au moins on a joué notre jeu. Vaut mieux jouer sans regret, tout donner, on a essayé, bah ben ils ont été plus forts, ils ont été plus forts, qu'est-ce que je te dise. Ils ont une équipe qui vaut des milliards. Donc forcément, ils ont des individualités qui sont meilleures que les nôtres. Mais avec un jeu d'équipe, tu peux produire du beau jeu, tu peux te créer des occasions, tu peux faire plein de choses. Donc voilà, pourquoi toujours vouloir faire un plan spécial Mbappé, un plan spécial je sais pas quoi. Ça a rien changé, autant on serait rentré en 4-3-3 et ça aurait rien changé. Mais Stéphane Bertrand, mon ami, je t'aime beaucoup hein. Comment ça on se fait voler sur le coup franc et le hors-jeu, dis-moi. Explique-moi. Alors attendez les gars, il y a mon sandwich qui est là. Thank you. Et ouais, les buvettes, c'était une américaine. Alors, dis-moi Stéphane Bertrand, le coup franc qu'on se fait voler, dis-moi. Et dis-moi où c'est qu'on s'est fait voler là. Peut-être j'ai raté un passage. C'est ça. Giuliano qui dit avec cette compo, on marquera pas hormis sur un coup de chance en contre ou voilà. Ou un coup de pied arrêté sûrement. Alors Stéphane Bertrand, je viens de regarder le but au ralenti. Il y a bien Mbemba qui le couvre, non? Ou je vois pas bien. Dites-le moi les gars, ceux qui regardent le match aussi. Moi j'ai vu au ralenti Mbemba qui couvrait. Hein. Ouais, Nivek, il a tenté des dribbles, mais il en a réussi très peu. Hein. Beaucoup de déchets de la part d'Unai ce soir. Après, je pense qu'avec un Harit, ça pourra aller mieux, ça pourra combiner, ça va parler football.
Et voilà, je suis là. Non mais c'est ça que je te dis, Stéphane. Moi, ce qui m'embête, c'est plus le jeu proposé que les décisions arbitrales. Pour te dire la vérité, tu vois. Donc voilà, c'est à nous de se réveiller. Et on va voir dans quel état d'esprit nos Olympiens vont revenir. En tout cas, nous, ça ne change à rien. On est là, on sera derrière eux. Et on espère qu'ils vont quand même un peu se réveiller et nous montrer un meilleur visage. Alors salut, on va saluer. Alors on va saluer Stella Moreau et Noah qui nous ont rejoints sur Twitch. J'espère que vous êtes abonnés les amis. Il faut s'abonner à la chaîne. Hein, pour donner de la force. Allez, nos joueurs qui reviennent sur le terrain. Allez. Allez, on va leur donner un peu de force à nos joueurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Tous ensemble, tous ensemble, hé hey hey. Tous ensemble, tous ensemble, hé hey hey. Allez, c'est parti. Voilà les amis, donc il y a eu des changements à l'OM. Hein. Donc Illiman Ndiaye est bien rentré. Et Amin Harit aussi à la place de Unai. Alors attendez, on va voir ça. Voilà les changements qui vont être effectués. Et allez, c'est reparti. L'OM qui donne le coup d'envoi. Et qui concède la touche. Les Parisiens qui récupèrent. Alors attendez, j'ai oublié de mettre la caméra. Sinon c'est pas drôle. Allez, et Marquinhos qui récupère le ballon dans sa surface. Allez, on repart avec Donnarumma qui dégage ce ballon loin devant et l'interception de Balerdi qui met ce ballon en touche. Allez, on continue avec Skriniar. Hernandez qui a de l'espace. Allez, c'est reparti avec Hakimi qui écarte sur Dembélé. Dembélé, le centre de Dembélé pour Ramos, la tête. Incroyable. Incroyable. Ah mais là la défense. Là la défense est problématique. Le Bois de Boulogne qui vient de marquer le troisième but grâce à Gonzalo Ramos, grâce à Dembélé qui avait tout le temps de centrer. Oh là 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 là. Lodi qui laisse Dembélé. Oh, il avait Hakimi dans le dos, c'était compliqué. Balerdi n'était pas là pour l'aider.
Lodi était tout seul et Mbemba qui se fait passer devant par Gonzalo Ramos et Paul Lopez. Incroyable. Désillusion ce soir. Voilà, on pensait nos Olympiens revenir avec de meilleures intentions. Mais là, c'est catastrophe. Je suis scotché. Ah ouais, arrêtez le massacre là. C'est catastrophe, c'est honteux. Et allez, ça repart. C'est incroyable les amis. C'est incroyable. Je suis dégoûté. Voilà, défaite 3-0 pour l'instant. Attention, Aubameyang. Aubameyang qui va se... Oh là là, la passe d'Aubameyang. Oh là là. Corner pour l'OM. Ah ouais, ouais, il faut qu'il sorte. Hein. C'est incroyable. Allez, corner pour l'OM. Alors, qui c'est qui va le tirer? C'est Veretout. Allez, corner tiré au premier poteau. Et ça va être dégagé de la tête par Colomouani, me semble. Et attention, ce ballon qui est récupéré par Angers, qui va écarter pour Jonathan Kloss. Aminarit. Veretout, la passe de Veretout qui est intercepté. Attention, il est Melendjai qui a bien vu Jonathan Kloss partir dans le dos de la défense. Et ce tacle de Hernandez pour récupérer ce ballon. Mais Ndiaye est encore là. Ndiaye qui se fait bousculer par Barcola. L'arbitre ne dit rien, il laisse jouer. Il me semblait y avoir une petite faute sur Ndiaye là, non? Ah ouais, Balerdi, c'était... Ouais. Amar, pour moi, c'était prévisible, Balerdi. Le mec, il a pas joué de la saison, à part en préparation. Et en plus, dans un système à 4, là, il arrive dans un système à 3. Voilà. Oh là là, ce ballon vite perdu encore par Balerdi. Et qui va finir dans les bras de Donnarumma. Ouais, notre défense. Ah, dis-moi, Amar, j'ai pas compris, excuse-moi. Ah, Mbemba, ok, Amar, j'ai compris. Mbemba, il faut qu'il sorte. Ah, je pensais que tu parlais de Balerdi. Il est plus catastrophique que Balerdi. Ah, d'accord, ok, j'ai compris, Amar, c'est bon. J'ai compris. Ouais, Mbemba, il est pas dans. Ça fait quelques matchs là, il est plus dedans. Attention, c'est reparti de l'autre côté avec les Parisiens. Côté gauche. Avec Barcola. Qui revient derrière sur Skriniar. Skriniar qui arrive à trouver Ugarte. Qui pousse sur Dembélé. Dembélé qui rentre dans la surface face à Lodi. Dembélé qui retrouve Hakimi. Il a le faf. J'arrive même pas à parler tellement. Ce qu'ils arrivent à faire là, c'est incroyable qu'on puisse les laisser jouer comme ça. Aussi facilement. Et bien sûr, Paul Lopez, il était à l'ouest. Hein. Mais il était complètement à l'ouest. Allez, on repart. Paul Lopez qui va dégager ce ballon sur la tête de Skriniar. Ugarte, Hakimi. Ah ouais, c'est trop. Ça va être dur ce soir. Hein. Ça va être dur. Ah ouais, incroyable. C'est dur, mais bon, on est des supporters, on est là. Il faut rester par le choix. Oh là là, Aubameyang qui tente une frappe de 25 mètres et qui passe à côté des cages de Donnarumma, mais il était quand même dessus. Ah, il avait le temps d'avancer. Mauvaise décision. Léonard, les gars, faut vraiment investir sur deux gros défenseurs d'expérience. Ouais. C'est mort, ils n'y sont plus. Ouais. Ah, ça se voit, hein. Je sais même pas s'ils sont déjà rentrés dans le match une fois. Voilà, ça fait 52 minutes. Je sais même pas s'ils sont rentrés dans le match au moins une fois.
direct. Oh là 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 là, la faute encore une fois. Alors c'est qui fait la faute là? C'est Balerdi encore une fois sur Hakimi au même endroit où on s'est pris le coup franc en première mi-temps. Voilà, on va voir ça. Incroyable. Incroyable, grosse déception ce soir. On revoit l'action de Balerdi, ouais. La même que tout à l'heure. Et c'est. Qui c'est qui va le tirer? C'est Hakimi. Ouais, Mout, je suis d'accord avec toi. Balerdi va faire la saison sur le banc. Mais là, ça m'étonne qu'il ne fait pas de changement. Qu'il ne change pas son dispositif. Je sais pas. Allez, attention Hakimi qui va tirer ce coup franc. J'imagine, il lui en met deux. Oh là là. Oh là 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 là, le coup franc d'Hakimi qui a été dévié. Par qui? Oh là 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 là. Il a traversé le mur entre Balerdi et Amin Harit, je crois. Ah non, il est passé derrière Amin Harit. Ce ballon. Et Dembélé qui va tirer le corner, la tête. Attention, cafouillage dans la surface. Il faut dégager ce ballon. Oh là 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 là. Allez, on repart avec Marquinhos dans le rond central. C'est long, c'est long. Ça va être long ce match. Mais voilà, il faut le faire, il faut être là. Mais c'est dur. Allez, faute sur Kolo Muani de la part d'Mbemba, bien sûr. On est maudit. Allez, Dembélé encore une fois sur le côté droit. Dembélé, Balerdi qui va récupérer ce ballon. Et attention, Lodi qui va le perdre. Et Ugarte qui va apporter ce ballon avec lui en touche. Ah, c'est très grave là, il n'y a aucun jeu. On a montré zéro jeu. Voilà, zéro jeu. Ouais, je sais, Léonard. Moi aussi, je comprends pas. Allez. Oh là là, c'est passe catastrophique, c'est incroyable. Les gars, c'est incroyable comment on joue. C'est incroyable. Et attention, Kolo Muani dans la surface pour Gonzalo Ramos. Et la frappe de Zaïre Emery qui passe au-dessus. Oh là là, Klos. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Allez. Allez, ça repart avec Skriniar. Et ça repart avec Rongier. Oh là là, ce ballon perdu par Rongier. Et attention à la contre-attaque des Parisiens avec Hakimi sur le côté droit. Le centre d'Hakimi qui a failli être dévié par Zigo. Et finalement intercepté par Paul Lopez. Allez, on continue les amis, on continue, allez. Aubameyang qui n'arrive même pas à prendre ce ballon de la tête face à Marquinhos. Et Rongier qui écarte sur Jonathan Klos. Mbemba.
Gigo qui va jouer derrière sur Paul Lopez. C'est dur ce soir. C'est très dur. Et Paul Lopez qui tente une ouverture pour Ndiaye. Ndiaye, le crochet d'Ndiaye sur Hernandez. Ndiaye dans ses dribbles. Et ce ballon qui va être récupéré par Ugarte. Voilà, les Parisiens qui arrivent à s'en sortir. Allez, allez, le pressing, Ndiaye. Voilà, bien joué ça. Allez, on continue. Oh là là, la faute, l'arbitre l'arrête. Mais la faute. Arrête. Et attention, Dembélé sur le côté droit. Dembélé. Dembélé face à Lodi. Dembélé, le centre en retrait de Dembélé. La frappe de Kolo Muani, c'est taclé par Mbemba. Oh là là, c'était chaud. C'était chaud. Oh là 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 là. Et ce ballon encore une fois pour Dembélé qui a tout l'espace devant lui. Personne ne va l'attaquer. Oh là là. Ouais, les joueurs de l'OM n'y sont plus. Hein. Ah, tu es sur Mount. Et moi, j'ai l'impression qu'il le touche. Hein, sur l'action d'Ndiaye. Hein. Mais je suis d'accord avec toi. Où Ndiaye regarde beaucoup ses pieds, c'est vrai. Et là, on repart. Marquinhos. Allez, Ugarte. Hernandez. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, ils ont juste plus envie que nous, c'est tout. Là, nos joueurs, ils n'avaient pas envie de jouer. Clairement. Regarde. On dirait une bande de gamins qui jouent contre des grands. Voilà. Ça ose pas, ça attend. Voilà, ça veut être scolaire. On reste en place. Non, c'est pas comme ça que ça joue, frérot. Ah, Balerdi. Voilà. Et tu perds le ballon très, très, très vite. Voilà, Ndiaye. Veretout. Oh là là, tu vois. Voilà. Pas capable de faire une passe. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. Kolo Muani dans la surface. Zaïre Emery, attention, Mbemba qui va dégager ce ballon en touche. La défense commence à prendre l'eau. C'est une honte, nous dit Tonton. Ouais, ouais. Allez. Ah, il me faut de l'air là. Oh, incroyable, il faut que je m'étire. 2 secondes, les frérots. Parce que là, le match il m'a courbaturé tellement. Allez, on continue. Allez, l'OM qui va récupérer la possession. Et allez, avec Ndiaye. Le centre pour Aubameyang. Et ça va être dégagé de la tête par Skriniar. C'était un centre d'Unai. Attention, ce corner qui va être tiré. Et la tête de Mbemba au premier poteau. Mbemba qui réclame un deuxième corner. Non. Alors on va revoir cette action. Et c'est bien Mbemba. Allez les gars, on continue. On est là, on est présent. Allez, Skriniar. Et merci pour le sub. Merci à toi d'être abonné, mon frérot, ça fait plaisir. Allez, on continue. Veretout. La passe de Veretout pour Ndiaye. Ndiaye. Le crochet d'Ndiaye. Ndiaye. Ah ouais, mais lui, frérot, il faut qu'il joue tout seul, lui. Hakimi qui reste au sol.
Allez, ça repart. Attention, avec Colomoni. Pardon, qui écarte sur Ramos. Barcola, le centre de Barcola. Qui passe au-dessus des cages de Paul Lopez. Excusez-moi. Allez, ça repart avec Lodi. Qui écarte sur Ndiaye. Oh là là, qui perd ce ballon. On perd tous les ballons. On n'arrive pas à enchaîner. Deux passes. Les unes après les autres. Voilà, on n'arrive pas à enchaîner les passes. C'est incroyable. Je pense qu'il mettrait au moins un histoire de ne pas passer. Ouais. Au moins un. Au moins pour sauver l'honneur. Voilà. Qu'au moins il nous montre un peu de caractère dans cette deuxième mi-temps. Allez, c'est reparti. Allez mon petit Harit. Voilà le crochet de Vitinha. Voilà qui a bien vu. Jonathan Klaus qui va centrer. Oh là là, pas capable de centrer. C'est dur hein. Ce soir c'est dur les amis. C'est dur. Moi vous savez hein, je suis pardon. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut toujours continuer à supporter son équipe, même dans les moments difficiles. Je veux bien qu'on ait des moments difficiles, mais là, on propose rien. Pardon. C'est exactement ça, Slim. Aucun centre, aucune passe. Voilà. Oh là 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 là, la faute qu'il a fait. Ah, Dembélé. Dembélé qui arrive à trouver Zahiri aux abords de la surface. Zahiri la frappe. Et c'est contré par Mbemba. Attention, ça revient pour Barcola. Zahiri. Zahiri qui va être récupéré par Rongier. Et Veretout qui va réussir à trouver Aminarit. Aminarit. Oh là 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 là. Alors continue. Allez, on va voir ça. Allez, Marquinhos. C'est dur, c'est dur. On va pas se mentir, c'est dur. Attention, Ugarte. Qui écarte là-bas à gauche pour Barcola qui est tout seul. Barcola. Barcola dans la surface. Face à deux défenseurs. Il va réussir à trouver Zaïre Emery. Zaïre Emery. Colomoni qui a décroché. Marquinhos. Hakimi. Marquinhos. Ouais, c'est ça. Léonard, c'est exactement ça. C'est la même tactique, mais formation différente. Voilà. C'est on attend, on subit. Il n'y a pas de pressing. On va pas chercher le ballon. Voilà. C'est nul. Voilà. Et Hakimi, il arrive à passer et à faire un centre. Voilà. Et Mbemba qui va mettre ce ballon en corner. C'est incroyable la facilité avec laquelle les Parisiens arrivent à nous passer et à faire des centres. C'est incroyable. Voilà Mout qui dit, qui répond à Léonard, un but, à part sur un malentendu, je vois pas comment ce soir. Je suis d'accord avec toi frérot. J'ai le même pressentiment que toi. Et attention, Dembélé. Zaïre Emery. Et attention, la contre-attaque des Marseillais. Oh là là, oh. Veretout frère, mais c'est trop, voilà. C'est l'OM versant Michel Blanc. C'est ça. C'est ça, Léonard.
là. Allez, Pancho, fais-nous quelque chose là. Allez, Balerdi qui vient pour intercepter ce ballon. Et attention, les Parisiens qui vont pouvoir partir en contre-attaque. Et alors, ce ballon qui va être beaucoup trop long. Et normalement, Balerdi va le mettre en touche. Il faut mettre la pression sur Marc Court. Il faut qu'il dégage. Ouais, ben là, apparemment, j'ai entendu qu'il y a des politiques qui ont contacté Marc Court Global pour savoir qu'est-ce que Marc Court allait faire du club. Voilà. Donc, on va voir. Donc, les Parisiens qui vont faire des changements avec l'entrée de Danilo à la place d'Hernandez, le traître. Eh oui. Ah mais là je pense qu'il y aura beaucoup de supporters qui vont être déçus ce soir. Voilà, on s'attendait pas, on va pas se mentir. On s'attendait pas à gagner facilement ou quoi que ce soit. On savait que ça allait être compliqué, on est en crise, on n'a pas d'entraîneur. Pancho est là pour dépanner. Voilà, mais comme on a dit, on s'attendait à avoir des guerriers qui allaient tout donner. Et là, voilà, quand tu vois des mecs qui n'arrivent pas à faire des passes, qu'ils ont les jambes qui tremblent, on va commencer à se poser des questions. Voilà. Rappelez-vous quand on disait l'année dernière, ouais, la gestion de Mbemba, pourquoi il joue pas. Après, peut-être que Tudor n'avait pas 100% tort dans tout ce qu'il disait. Hein. Alors, Amar qui dit, il faut que ces groupes de supporters attaquent le vrai problème. C'est exactement ça, Amar. Je crois qu'on va tous être d'accord avec toi sur ça. Voilà, parce que le vrai problème, c'est Marc Court. Voilà, qui laisse le club comme ça en péril. Il faut un propriétaire qui soit là quand même, qui... Voilà, c'est lui qui tient les rênes de ce club, quoi. Même si tu as un président, il faut que le président, il réponde à un propriétaire qui sait ce que... Voilà, il sait ce qu'il veut. Là, c'est pas le cas. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, corner pour l'OM. Corner tiré. Oh là là, le corner qui traverse tout le monde. Et personne pour récupérer ce ballon. Eh ouais. Eh, je sais, Slim. C'est... Voilà. Ouais, mais Marc Court, moi, je pense... Je vais vous dire, je pense qu'il va vendre. Hein. On va pas se mentir. Je pense que Marc Court va vendre. Et que voilà. Là il est pris à la gorge. Son équipe est en train de couler. Voilà, il faut vendre avant que la valeur du club continue de baisser. D'après ce que nous a dit Romain Molina, des offres il y en a. Et pas que de l'Arabie Saoudite. Lui il est en train de demander des 600-700 millions. Alors qu'on lui proposerait des 400, je crois, 400-500. Donc peut-être qu'il va céder. On va voir. Et pourtant, il avait dit le premier match face à Brest, Franck Marc Court, quand les journalistes d'Amazon ils sont allés pour lui demander s'il voulait donner une interview, il a dit qu'il pouvait pas parler maintenant. Attention, ce ballon, ça revient dans les pieds d'Mbemba. Oh là là, Mbemba qui vient de rater une occasion de marquer un but, tout fait. Il avait le but ouvert. Oh là 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 là, dommage. Et cette belle remise de Balerdi pour Mbemba qui dévisse totalement sa frappe. Quel dommage. Quel dommage. Oui, donc Amazon qui lui avait demandé s'il voulait dire quelques mots après le match face à Reims. Et il a déclaré je ne peux pas m'exprimer pour l'instant. Je parlerai bientôt. Donc s'il a une annonce à faire, à mon avis, voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire d'autre ? Qu'il aime l'OM, que ses petits-enfants ils vont récupérer le club après lui. Allez, là. Allez. Allez, on continue. Et allez, avec Ugarte qui va jouer derrière sur son gardien.
Allez, Limelenja qui tente de faire le pressing. Oh là là, la faute encore une fois. Aïe aïe aïe. Non, ça fera pas comme Bordeaux. Eh oui, le tacle de Gigot, Galtuch, hein. Ah ouais, il a bien marché sur le pied. Ouais, Léonard, d'après ce que Molina a dit, c'est qu'il y a plusieurs repreneurs qui veulent reprendre le club, mais pas pour 600-700 millions. Qu'apparemment, il y avait des offres à 400, 500, entre 400 et 500, et que lui, on voudrait 600-700. Aucune âme, c'est ça, Amar. Mais après, tu as enlevé un peu les âmes de cette équipe. Quand tu enlèves Payet, quand tu enlèves Guendouzi, ça, c'est les âmes de l'équipe, hein. L'année dernière, Sanchez, il faisait partie des âmes de l'équipe. Voilà. C'est lui qui a insufflé ces trucs-là. Cette agressivité, cette grinta. Et déjà, 400, ça serait bien. Ouais, mais après, ça dépend combien il a mis dans le club. Lui aussi, il veut récupérer son argent. Il va pas le vendre à perte. Oh là là, le tacle de Renan Lodi. C'était chaud, mais Hakimi va récupérer ce ballon. Et voilà, Harit. Oh là là, Harit aussi, il n'y arrive pas. Hein. Il a du mal, Harit. Allez, relève-toi, il lui dit. Aubameyang. Oh là 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 là. Allez, faute sur Harit, le même qui va récupérer ce ballon. Hey, Mout, ton scénario il me plaît. Oh là 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 là. Alors il a sorti Aubameyang pour faire rentrer Correa. Non, ouais, c'est pas normal. Steph, je suis totalement d'accord avec toi. Je comprends pas pourquoi tu forces avec Aubameyang. Pourquoi tu forces. Ouais. Alors que Vitinha il s'est beaucoup plus battu. Et attention à la déviation de la tête pour Correa. Eh oui. Ouais ouais Mout, ta storytelling, octobre on verra. Moi aussi je pense que octobre novembre il va avoir un truc. Ah oui, ça peut plus durer, on le voit plus. Il est à fond dans son projet Liberty. Le mec il parle plus à la presse alors que c'est ton club, tu vois, et c'est pas un petit club, tu vois. Donc normalement il doit être là. Attention pour Lopez qui dégage ce ballon pour Correa qui va avoir le contre favorable. Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre là? Il a fait faute sur Hakimi. Arrête. Allez, Correa, arrête de faire le mec. Hein. C'est ma vie. Allez, ça repart avec les Parisiens. Dembélé, Hakimi. Hakimi qui redonne à Dembélé. Qui redonne à Hakimi. Hakimi dans la surface, le crochet d'Hakimi. Et ce ballon qui va être sauvé du corner par Renan Lodi. Mais c'est les Parisiens qui vont récupérer la possession. De quoi, Léonard? C'est quoi la très bonne idée de Pancho? Correa? Ça. Ah là 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 là. Avec Hakimi. Danilo.
Ouais, les amis. Voilà, les Parisiens qui ont la possession. Voilà, ça fait tourner la balle, ça veut plus jouer. L'OM ne propose rien, donc eux aussi, ils ont rien à proposer du coup. Incroyable. Grosse déception. Grosse déception ce soir. C'est incroyable. En fait, le mieux, c'est de ne pas avoir le match. Je vous le garantis, ceux qui n'ont pas le match, vous avez de la chance. Vous êtes les plus chanceux. Voilà. C'est effrayant. Regarde, Lodi, il dégage. Ça va sur les fesses de Hakimi, mais ça revient dans les pieds de Colomwani. Tu vois? C'est incroyable. Eh ouais. Attention, corner pour le Bois de Boulogne. Allez, le corner qui va être effectué par Fabien Ruiz. Que dit l'arbitre? Second corner. Ouais, c'est ça. Quand t'es 0-9. Et attention, la contre-attaque avec Ndiaye. Lâche le ballon, frérot. Tiens, Ndiaye. Oh là là, cette passe moisie, c'est incroyable. Mais ils savent pas jouer. Oh là 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 là. Merci à toi d'avoir été là, Yann. J'aurais préféré vous offrir une victoire ce soir. Eh ouais, Colomani dans la surface, le passe en retrait et Balerdi qui intercepte ce ballon. Attention, ça repart. Hey, Pro Boy, va te... Là, ça serait 30 services. Allez, c'est reparti. Allez, c'est reparti. T'inquiète pas. On sera là pour toi en Ligue des Champions, Pro Boy. Ben Diarfa, ouais, c'est ça, Maut, tu as raison. Et allez, Danilo. Voilà, les joueurs sont carrément statiques alors qu'il reste 10 minutes de jeu. Voilà, ça fait 15 minutes que les joueurs sont statiques. Voilà, il y a Veretout qui leur dit de monter. Et tout le monde reste en bas, on comprend pas. Non, le débrief, ça va être demain. Demain avec Tonton Célou, le débrief. Merci dans le cul Galtuf. Allez, on revoit la faute de Veretout sur Ugarte. Allez, on continue les frérots. Mukiel et Solar vont rentrer. Est-ce que nous on va faire des changements ou pas? Non, on n'a pas besoin de faire des changements. Mais ça, c'est bon. On a Barcola et Hakimi qui sortent. Allez. Oh, NJ sur le terrain, on dirait. Il redevient le gamin de 10 ans qui jouait sur le trottoir. Hey.
Là, alors là, la question, alors voilà, il y a Maïté qui va rentrer, il y a un petit jeune aussi. C'est qui? C'est pas Nadir? Alors on va voir qui c'est qui va rentrer. Donc Balerdi va céder sa place à Maïté. C'est ça, et c'est Nadir qui va rentrer. À la place de Klos. Allez, on va voir. Ah, c'est dur de faire rentrer un jeune comme ça sur un match comme ça. Allez. Allez, Donnarumma. Je vais en relancer à la main. Sur Skriniar. Danilo. Oh là là, la faute. C'est qui a fait la faute? Ouais, il y a Maïté, il est rentré Maut. Ah, c'est Veretout qui a déjà un jaune, Veretout. Veretout, il a déjà un jaune. On dirait qu'il fait tout pour se prendre le deuxième. Allez, le pressing là. Voilà, comment il peut se retourner et redonner le ballon à son gardien. Allez, allez remettre la pression. Allez chercher ce petit but au moins pour l'espoir. Comme ça, ils pourront pas dire 3-0, ces chiens. Oh là là, Dembélé dans son festival et qui se fait prendre un sandwich par Renat Lodi. C'est Renat Lodi hein, qui prend ce carton jaune. Allez, Fabien Ruiz qui va effectuer ce coup franc. Lopez, c'est pas l'homme du match, ouais. Ouh, Lopez qui dégage ce ballon des deux points. Et position de hors-jeu. Et allez, Donnarumma qui arrive à trouver Zaïre Emery. Marquinhos, Donnarumma. C'est incroyable. Hein. Ils font des passes du poteau de corner à leur gardien. C'est incroyable qu'il n'y ait personne pour essayer de venir intercepter ce ballon. Et ils l'ont fait plusieurs fois. Hein. C'est ça le pire. C'est qu'ils l'ont fait plusieurs fois. C'est dur. Allez. Ah oui, mais on va se faire démonter par toute la presse là. Allez, on continue les amis. Allez, on va espérer le petit but quand même. Au moins un petit but. Allez. Il reste 5 minutes. Allez nous chercher un petit but pour vos supporters. Voilà. Mais même en soi, c'est pas un match. C'est pas un bon match. Hein. C'est vraiment un match de merde en vérité. Hein. C'est juste nous, on est nuls. Voilà. Écarté. Skriniar. Zaïre. Danilo. Ce ballon qui est intercepté et le contrôle de Ndiaye. Ndiaye qui arrive à conserver son ballon. Ndiaye qui va faire le tour
de Zaïre Emery, Ndiaye qui tombe et l'arbitre qui dit non, joué. Ah non, il revient à la faute, il revient à la faute du début. Merci Ludovic. Allez, on repart sur le match avec ce coup franc. Et ce coup franc qui est tiré, c'est dégagé de la tête par Danilo. Et Dembélé qui va pousser ce ballon et qui va prendre Veretout de vitesse. Ah, c'est Colomani, pardon. Colomani, la passe pour Gonzalo Ramos qui est seul face au Paul Lopez. Et Gonzalo Ramos qui vient marquer le quatrième but. Oh, quelle action! Wow! C'est Veretout, hein. C'est pas à défendre. Rongier qui suit Lodi, ou les deux regarder derrière lui, qui a voilà. Et Paul Lopez, voilà, qu'est-ce qu'il fasse. Voilà, 4-0. C'est ça. Ça faisait longtemps, on n'avait pas vu ça. Les deux dernières confrontations, c'était 2-1. Voilà. Lamentable. C'était lamentable ce soir. Allez, on continue. Eh ouais, là je vous sens énervé, allez-y. Continuez, mettez-moi les messages sur le chat. Alors, on les fait apparaître, on s'en fout des stats maintenant. Eh non, ça va plus les frérots. Une minute d'arrêt jeu, même l'arbitre se moque de nous, c'est ça. Bah il va arrêter le supplice, sinon il sait que tu vas prendre le cinquième, on va pas se mentir les gars. On est passé complètement à travers notre match. Attention, la contre-attaque avec Zaïre Emery, ce ballon pour Ugarte, qui n'a pas réussi à le redresser. Attention, cafouillage. Et ce ballon qui va être dégagé par Veretout loin devant, oh là là, c'est honteux. Mais là, Paris va rien gagner du tout. Et voilà, l'arbitre qui siffle la fin de ce match. L'OM défait 4-0 ici au Parc des Princes. On va faire une petite page de pub. D'accord, parce que j'ai besoin d'une minute là pour me reprendre. Et on y va. Voilà les amis, on est de retour donc pour ce match, enfin pour cet après-match. Kanté, merci d'avoir été là mon ami, on te salue, bonne soirée. Voilà les amis, on va faire un petit débrief ensemble. Priscilla qui vient de s'abonner, merci à toi Priscilla. Tu es la bienvenue dans la chaîne du Bar des Fada. Alors je vais juste remettre, voilà, comme ça en fond. Voilà. Donc les amis, allez-y, dites-le moi sur le chat. Rongier, il est nul. Il joue jamais vers l'avant et joue toujours vers l'arrière au ralenti, nous dit France.
J'ai mal à mes couleurs, moi aussi. Franchement, je suis triste et déçu de l'humiliation qu'on a subie ce soir. Alors, attendez, ne bougez pas. Et pas que. Et pas que. Voilà. Aucune envie, aucune fierté. Quelle honte. C'est exactement ça. Voilà. Il va falloir sévir. Il faudra prendre un entraîneur dur qui va pouvoir les réveiller. Parce que là, le jeu proposé, c'est... Voilà. On allait se poser la question pour Abardonado. Est-ce que le match de l'Ajax était un coup de chance? Parce que l'Ajax aussi, ils étaient en difficulté. Est-ce qu'il a les épaules et l'expérience nécessaire pour gérer une équipe comme ça, avec des échéances qui arrivent très importantes, comme le match face à Monaco, le match face à Brighton. Donc voilà. Donc France qui dit, vous voyez qui comme coach? Et moi, je veux un coach méchant. Et pour moi, le coach méchant, c'est Conte. Voilà. Je veux pas de espagnol, tendre, mielleux, je sais pas quoi. Voilà. Moi, je veux un mec qui crie. Je veux un mec sur le banc de touche. Voilà. Un fou furieux. Moi, je veux un fou furieux sur le banc. Comme ça, notre jeu va refléter, le caractère de notre entraîneur. Voilà. Ma courge va bien, bien fort te faire encadrer. Bien dit, Léonard. Non, bien sûr. Alors, la vérité, on pourrait se faire un débrief, tu vois, faire les tops et les flops. Mais qui c'est, qui tu pourrais mettre top dans cette équipe ce soir? Dites-moi, un top, sortez-moi un top. Je vous mets au défi de me sortir un top ce soir. Peut-être que je ne l'ai pas vu. Sortez-moi un top. Ben, j'ai l'impression d'avoir revécu le match de l'année dernière en Coupe de France, où on les a dominés tout le match. Et ben voilà. À part que eux, ils avaient réussi à marquer un but. On l'avait gagné 2-1. Mais nous, on n'a pas réussi à en mettre un. Et on perd 4-0. On a perdu, mais on reste Marseille. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça change rien. Ouais, Veretout, c'est trop là. Veretout, l'asthmatique. Intouchable dans cette OM pour le 4-0. La nuit va être courte. Un flop total pour tout le monde. Quitte à perdre autant, garder notre 4-3-3 contre... Voilà. Il s'est trompé à Bardonado. Je suis d'accord avec toi, Archiplein. Moi, c'est ce que j'avais dit aussi, hein. Le 4-3-3. Merci, Slim. Slim, tu es au top. Si je peux... Slim qui dit, il y a eu un top. C'est Momo pour avoir supporté cette purge. Ah, tu sais quoi? Au bout de 3-0... J'ai dit c'est bon, je coupe le live, ça sert à rien. Alors je vais rester là, avec vous, on va tous partir en dépression collective. Et encore, c'était pas fini, on allait s'en prendre peut-être un ou deux de plus. Et je voulais pas vivre ça. Et après j'ai dit non, il faut finir, on est des supporters. C'est comme si on était au stade et qu'on les abandonnait en plein match. Voilà, on reste. En vrai il sert à quoi Correa? Bah rien frérot. Il sert à rien. Voilà. C'est l'effectif que voulait Pablo. Et en faisant partie de tous nos caractères, Panin début de saison dégueu, Marcelino qui dégage. Et ce soir cette honte sans nom. Une équipe sans caractère. Bien dit Kader. Bien dit mon frérot. C'est facile de dire ça à Momo. Mais quoi? J'ai pas compris ma manne. Ouais, en 2045 et encore, hein. Mais de toute façon, les gars, les Parisiens, on les connaît. Moi, j'ai des potes à moi parisiens. Je suis sûr que là, il y en a qui me regardent parce qu'ils attendent de se moquer de moi. Ils sont en train de m'enregistrer, tout ça. Donc, je te dis, on la connaît, votre musique. Tous les étés, vous faites un recrutement de fou. Tous les étés, vous nous dites que vous allez gagner la Ligue des Champions. Vous commencez tous les débuts de championnat flamboyants. Vous finissez premier de votre poule, machin. On le sait. Mais après, en 8e, vous n'existez plus. On le sait que le club du Bois de Boulogne, il existe du 1er juin. C'est ça, c'est le 30 juin. C'est le 1er juillet, le mercato, je crois. C'est ça, hein. Ou le 1er juin. Je crois que c'est du 1er juin jusqu'au 14 février. Et après, vous n'existez plus. On le sait. Vous êtes un club éphémère.
Ah oui, frère, on vous connaît. Eh oui, bien sûr. Vous allez faire tout ça pour au final, vous allez vous faire sortir par une équipe éclatée. Voilà. Paris et Qatari, on a manqué de vis, emballé le match comme à l'Ajax. Ben, le truc archi plein, c'est que c'est pas on a manqué de vis, on a manqué de tout dans ce match. Parce qu'on n'avait rien. Pas d'envie, pas d'agressivité, pas de jeu. On n'arrivait pas à faire des passes. On n'arrivait pas à ressortir le ballon. On reculait. Le bloc était super bas. Nos attaquants étaient derrière le rond central dans notre camp. Donc on jouait. On avait 11 joueurs sur 40 mètres. Voilà, on avait un bloc sur 40 mètres. Étendu sur 40 mètres. C'est pas comme ça que tu joues au foot. Voilà. Et on voit bien que Klos en piston, c'est beaucoup moins flamboyant que Klos en arrière droit. Voilà. C'est ça. Toutes les équipes, Kader qui dit, toutes les équipes elles vont à Paris pour tenter un truc. Et nous, on vient jouer avec un bloc bas. Alors qu'on est censé être une grande équipe. C'est ça. Non, mais tu as tout à fait raison, Kader. Très bonne analyse. Exactement, Franz. Tu as tout à fait raison. Moi, quand j'ai vu Harit, je pensais qu'il allait sortir Balerdi et changer son milieu de terrain. Tu vois? Ouais, Nivek, vivement un nouveau coach. On l'attend tous. On l'attend tous. Et il devrait arriver la semaine prochaine, normalement, les amis, le nouveau coach. Hein. Voilà. Vitinha doit vraiment améliorer son jeu de tête. Deuxième match qui loupe un immanquable. Alors, je suis plein. Moi, je vous ai dit, un top, il n'y en a pas. Mais c'est vrai que Vitinha, il s'est quand même battu dans ce match. Voilà, le pressing, il s'est battu. Et je pense qu'il a manqué de lucidité sur cette action. Je cherche pas à le défendre. Hein. Je dis juste que pour moi, ça a été le moins pire. Voilà, comparé à Ndiaye, où il a croqué tout le match. Il n'a pas réussi à donner une passe. Unai qui tombait, qui perdait tous ses ballons. Roger qui n'arrivait pas à faire une passe. Veretout, n'en parlons même pas. Mbemba avec ses erreurs défensives. Je crois qu'il y a, ouais, il y a, on peut garder Gigot. Voilà, on peut garder Gigot. Ouais, Gasperini, pourquoi pas. Là, il a raison, Ted. Là, coach ou pas coach, là, c'est vrai que c'est les joueurs qui n'ont rien montré sur le terrain. Hein. C'est pas le système de jeu ou quoi que ce soit. Parce que le système de jeu, on l'a joué l'année dernière. Et on a mis plus d'intensité. Et on les a battus avec ce système de jeu là. Donc voilà. Non, c'est 7 buts en 2 matchs, non? Kader, on fait 3-3 contre l'Ajax. Ouais. Donc 3 et 4, 7. 7 buts en 2 matchs. Et heureusement que Paul Lopez, il n'est pas payé au but encaissé. Hein. Ah, il serait riche, ce bâtard. Hein. Ouais, Aubameyang, il faut le mettre sur le banc pendant un moment pour qu'il comprenne. Ça y est, c'est bon. On a été gentil avec lui. On a été patient. Mais lui aussi, c'est bon. Tu vois. C'est ça. Amar qui dit qu'il faut faire la guerre contre Macourt plutôt que de la faire entre nous. C'est lui le problème. Ah ouais, cette année, ça va être rock'n'roll. Ça va être rock'n'roll pour l'OM, les amis. Voilà, les amis, on va se quitter pour ce live. Je suis fatigué mentalement, je vais pas vous mentir. Rendez-vous demain à 18h30 sur la chaîne du Bar des Fadas pour un débrief enflammé. Venez donner vos avis, ça va être un live ouvert, débat ouvert aux supporters. Voilà, tout le monde pourra venir parler, discuter et donner son avis. Bonne nuit à tout le monde. Merci à tous ceux qui sont restés du début à la fin. Merci à tous ceux qui m'ont donné de la force pour les pouces, pour les abonnements. Merci, merci, merci. Voilà. Ce soir, c'est dur. On espère que voilà, cette semaine, on aura un nouvel entraîneur. Et peut-être que face à Monaco, on saura relever la tête. Voilà les amis, bon courage à tous. Bonne soirée. Et n'oubliez pas, allez l'OM.